65e épisode aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Tu ne fais même pas une fête pour ça, quoi. Non. Bayushi est attaqué en duel. Oh, putain la vache. Comme ça, spontanément. Comme ça, T-Rex, ça commence. Un gru spawn devant vous. Et tu vois qu'il y en a une dizaine derrière d'autres avec un numéro. Donc, ouais, on était en train de... On t'a jamais dit qu'il pleuvait des grues dans les colonies ? Waouh, il est chaud le MJ ce soir. Voilà. C'est pas bon signe. Oh, pas bon signe. Oh, Shinjo aussi. Oh, ça monte là. Bande de canards. Bah, je suis à fond. Bon, bah, je l'ai terminé. Hein. Ouais, pensez à vous connecter sur Holy Steam quand même, les gens. J'ai oublié d'appuyer sur connexion. Je suis à fond. 9 heures de boulot dans la journée, c'est pas assez. Comme tu disais, Shinjo, c'est les infrastructures. Il y en a combien qui voudraient véritablement payer ça parce que bon, voilà, c'est pas là où va tout le budget. Hein, donc du coup, c'est ouais, vrai, c'est une fois que c'est fait. Au jeu de la gouverneure, voilà, hein, c'est toujours ça d'économiser. Quoi. Exactement. Et puis même les autres clans. Hein, je veux dire, il y a autre chose qui existe. Pourquoi se faire chier la vie hein. Parce que ça veut dire des moyens, ça veut dire aussi une structure. Bon, ok, c'est prestigieux, mais bon, faut pouvoir assurer derrière. Et comme dans les colonies, c'est assez dur. Du coup, c'est un luxe que certains peuvent pas forcément, on va dire, prioriser là-dessus. Après, j'avais marqué sur le forum un truc qui m'était revenu, c'est que la gouverneure avait bien spécifié qu'il fallait que ce soit organisé à chaque fois par un autre clan. Mais elle n'a pas parlé du lieu, ça peut être un autre clan qui organise, ah, mais ouais. Dans le village, quoi. Exactement, ouais, pas être, c'est même bon, ça. Ouais, du coup, tu peux toujours avoir quelqu'un qui est nommé, mais c'est juste que, traditionnellement, c'est le machin de Shinjo, voilà, en l'honneur que c'est la première, bon, du coup, c'est pas bon. Enfin, bref, on trouvera toujours une excuse 300 ans plus tard. Mais ouais, du coup, ça le fait, quoi. Faudra juste que tu trouves un moyen de gagner 5000 crédits Koku d'ici la fin de l'année, et à peu près le double l'année suivante. Bah oui. Justement, bah c'est ça. Oh, joli, hein. Nickel d'avoir mis le village là, sur. Voilà. Nous pouvons remercier. Nous pouvons remercier Shinjo pour son magnifique plan. Donc, le résumé, s'il vous plaît, messieurs. Ça n'a toujours pas été fait quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois ? On a fini la cour, je crois. Ouais, on a fini la cour. On a fini la cour, je crois. Donc on a découvert que Shinjo était salement dans la merde. Ouais, bah il nous l'a pas dit. Il n'a pas voulu nous le dire. Parce que je ne savais pas encore en fait comment on a fait la cour après. Modalité de comment je suis dans la merde. Il y avait le coup de l'ambassadeur, si ma mère est bonne. Comme quoi l'ambassadeur Yobantai. Yotokai, merci. Qui justement allait rester ici et que du coup il y avait une personne désignée dans les colonies qui allait là-bas en tant qu'ambassadeur. Plusieurs choix. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Ah si, on a appris par rapport à Sujime, ou c'était la fois d'avant ? Sujime, c'était déjà la fois d'avant. C'était après au début de la cour. Ah. Là, c'était la suite de la cour. Mais ça reste à confirmer, on n'en sait rien. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est ce qu'on a appris, le fait de la recherche du pirate et ses hommes de main. C'était dans le... Ah non, c'était voilà. Là, ouais, donc Sourime, on a appris plusieurs choses. Les tractations qu'elle avait avec la grue, c'était par rapport aux terres qu'elle récupérait, qui appartenaient un petit peu à Claire la grue, voire même un peu plus, en échange du fait de traquer, en fait, et avec l'aide de sa camarade Shugonja, ça va être facile, de traquer, en fait, les marins qui ont participé aux attaques des grues, dont les suivants en fait du terrible pirate Senshi. Oui, ce qui m'enchante pas forcément exceptionnellement, étant donné que ce sont des gens que j'apprécie et qui parleront et qui non, parce que là le but c'est de les buter, donc pas forcément. Hein. Tu sais, s'ils peuvent les livrer, hein. Genre j'ai une information capitale sur le pirate Senshi. Ça. Je dis rien, mais je le dis quand même. Mais... Arrête de donner des idées de merde au MJ, je t'ai déjà dit. Arrête d'essayer de jouer contre ton équipe, c'est plus possible là. C'est intéressant. Je suis sûr que c'est toi qui as donné l'idée des 5000 cocos de dette à... Non, clairement pas. J'imaginais pas 5000, c'était possible en fait.
Mais si t'as dû balancer un truc genre, t'imagines maintenant Oui, que t'as si fait c'est ton pacte possible. avec le marchand et il essaie de t'enculer à sec. Et puis il a fait, Non. oh, quelle idée géniale, et il l'a fait. J'en suis convaincu. Je suis ravi si je permets à Obi de découvrir d'autres passions sexuelles, mais quand même. Ah, ça, c'est Ouais, fait. c'était C'est le très début. mauvais. Attendez la fin. C'était excessivement mauvais. Cela Ouais, dit, c'était mauvais, je je sais. continue à penser que tu bosses secrètement avec le Ouais, donc je suis d'accord, elle était MJ. nulle celle-là. Désolé, hein, famille, tout ça. On en était où, du coup? Ils sont réunis, etc. Donc les pirates sont plus ou moins Alors, pourchassés. le choix de l'ambassadeur n'a pas été joué la partie d'avant, puisqu'on l'a, je l'avais oublié, qu'on en a discuté par forum. Ah oui. Donc du coup, je propose qu'on refasse vite fait un petit retake là-dessus. Si vous avez des idées, hein, si vous me dites que ça vous importe, vous avez rien à foutre, on passe à la suite, quoi. Attends, je regarde ma liste de relations pour savoir, parce que l'intérêt en fait de l'ambassadeur, moi j'ai une question avant, mais l'ambassadeur c'est soit d'envoyer quelqu'un qu'on soutient, soit d'envoyer quelqu'un qu'on ne veut plus voir pendant des années. Dans l'idée c'est ça. J'ai une question, est-ce que, comment on appelle ça? Est-ce que c'est un ambassadeur qui ne serait pas normalement nommé par directement l'impératrice plutôt que la gouverneure? Bah, l'ambassadeur de est venu aux colonies par Peut-être parce que c'est ce Rokugan. qu'il y a de plus près de chez lui. Oui. Après, lui, ce qui l'intéresse, c'est de discuter avec les colonies, parce qu'il veut voir ce qui va se passer dans les colonies, il veut pas savoir. Et un Rokugan, c'est pas dit qu'il soit accepté. Hein. Bah, Voilà. de toute façon, à mon avis, ça va rester ouais, dans les colonies Rokugan. S'il y va, il va se faire. Donc, après, c'est un truc qui se défend. Hein. Vous pouvez considérer que c'est pas à vous de nommer un truc. Cependant. Je Je t'ai pense pour que j'ai savoir en fait fait assez ça. de conneries ces derniers temps au niveau région. Non. Je Et sais pas, est-ce... j'ai pas trop d'avis Non, là-dessus en fait en tant que bah joueur, en mais fait c'est ça. je pense pas Et qu'on regardez entende dans votre beaucoup liste. que ça arrive trop. Enfin, ça vient de trop loin pour lui, je pense. Par rapport à tout ce qui s'est passé de ces derniers temps, il a passé genre 3 semaines de la seconde cité au cours des 9 derniers mois. Ouais, mais si ton personnage peut penser une chose, il voit l'intérêt, soit l'intérêt de mettre quelqu'un qu'il connaît, soit l'intérêt de mettre quelqu'un qui veut plus voir dans les colonies pendant quelques années. C'est ça l'intérêt. Et ça, ton personnage, il l'a. Ah oui, des grues que tu veux plus voir pendant longtemps, t'en as un Oui, taquet, mais je peux toi. pas dire toute la. Je peux pas dire. Est-ce qu'on pourrait envoyer l'intégralité des grues des colonies là-bas? Non, mais on peut en choisir, tu vois, par exemple, là, je pense à Doji Ishito. Magistrat grue de la ville, je crois qu'elle avait Oh essayé de non non m'attaquer. non non non, moi je proposerais bien Voilà, c'est ça qu'il faut penser. Kakita Ayaka. Après tout, pour avoir aussi bien aidé à mettre, enfin, ouais, elle mérite les honneurs pour avoir permis l'arrestation de la menace pirate. Ayaka, C'est Kakita Ayaka, Mito-Hime, Ayaka, c'est magistrat la grue. musicienne. La musicienne Ah ou oui, la c'est cour une Mito-Hime, c'est pourquoi courtisane. j'ai Ayaka en tête, je sais pas. Ayaka, c'est pas le prénom de de ton ambassadrice, même? Si, c'est ça. Une Je histoire peux comme ça? comprendre. Ah, donc tu balances dans la. Non, mais je pense par exemple. Non, mais si, Kakita Mito-Hime mérite les honneurs pour avoir aussi bien arrêté. Oui. T'as aimé, oui. Oubi, sur le site, elle est marquée Gru qui propose Utaku Kimiono. C'est une Ouais, erreur j'avais vu l'erreur. ou c'est parce qu'ils ont une dette, enfin un problème avec elle? Ça me paraît curieux que les grues ils proposent un licorne, quoi. Lui aussi, dans le retake de la cour, t'avais fait une erreur, ouais, il y en avait un, c'était chaque clan qui propose son truc, sauf un où c'est encore la grue qui propose. À mon avis, tu t'es gouré avec la licorne, quoi. Ouais, il y a Mais au c'est lieu pas de impossible, ouais, c'est grue pas a proposé impossible. Utaku et grue a proposé Doji Adae. Peut-être qu'ils aiment pas Utaku ou Kimiono. Mais tiens, justement, et toi, Shinjo, il y aurait pas quelqu'un Oui, que t'aimerais non. voir partir du clan de J'en la ai pas licorne? d'honneur. C'est le premier gru et licorne, en fait. C'est ce qu'on Ah, pensait. le voir partir réglerait pas mes affaires, en fait, quoi. Mais du coup, comment si on voulait vraiment avoir un impact, comment il faudrait faire, en fait? Bah, c'est juste qu'on pose de notre poids. Faut déjà qu'on se détermine quelqu'un Bah. qu'on aimerait. Alors, moi, franchement, je Peu. pense. Alors, au niveau méta, je pense que Shinjo serait assez contente, Shinjo Zia, de savoir que la magistrate d'Emeraude, qui peut se demander où sont passés ces Yorikis,
qui était censée venir chez elle, soit loin pendant quelques années. Ouais, mais je doute qu'elle puisse y aller à cause de son titre. Ouais. Tant qu'elle est magistrate d'émeraude, elle a du taf, tu vois, elle peut pas se permettre d'aller là-bas. Enfin, je veux dire, c'est un poste qui vient directement de l'impératrice. Tu quittes pas ce poste tant que l'impératrice t'a pas dit tu arrêtes. Tu vois, c'est pas même. Bah, Enfin, tu vois, c'est oui, c'est ça, c'est que la personne qui va lui donner un qui lui a donné un ordre de d'aller dans les colonies d'enquêter, comment dire, elle est supérieure à la gouverneure. d'accord. Alors, est-ce que vous avez quelqu'un qui vous a pris en grippe, personnellement, à part un clan entier, j'entends. Moi, je crois Ou quelqu'un pas, que ou vous alors avez j'ai envie pas suivi, j'ai pas fait gaffe et ça va me péter la gueule Après, à tous les clans, l'autre j'aurais pas pu. possibilité est d'aller voir le clan, dire je supporte votre poulain, en échange, je veux ça. Oui, voilà. Il y a ça. Il y a un, on peut choisir quelqu'un qu'on veut voir partir ou un mec qu'on n'a pas pu éliminer. Genre, imaginons qu'Otomo Akyo aurait été toujours en vie. On aurait dit, ah bah allez, Ah emballez bah il y lui. aurait des Ouais. propositions unanimes. Voilà, donc tu vois, du coup, et puis on leur dit, faites un petit détour. Donc il y a ça, il y a des gens qui peuvent être emmerdants. Je pense à Shinjo, c'est l'ambassadeur Licorne là qui te cherchait, Non, Izanagi. il le cherche pas, il lui a dit bonne chance pour se trouver de ses Ouais, poupons, parce ouais. qu'il sait Ouais, qu'elle mais n'aura pas à payer. ce que je veux dire, c'est que après il est peut-être un peu vindicatif, alors que peut-être qu'à nouveau il serait le moins, c'est ça que je veux Non, dire. bah il avait l'air plutôt pas trop, enfin. Je sais pas, moi j'avais pas l'impression qu'il soit particulièrement vindicatif en train de la chercher spécifiquement et tout ça. Obi m'a dit, je m'en suis bien tiré sur le replay. Donc, j'en conclus que. Bon, voilà. Je pense que Mon image a terni, on va dire. Oui, ton image D'accord. était un peu ternie, mais je pense que t'as réussi à vendre ton coup. Moi, ce que j'ai vu, c'est que j'ai, c'est que t'as, enfin, ce que moi j'ai eu l'impression, c'est que t'avais réussi à vendre ton point de vue. Il l'avait accepté. Il avait aussi pris connaissance de la merde dans laquelle t'es par rapport à ta promesse. Il s'est rendu compte que de toute façon, tu pourrais pas t'en sortir, donc il t'a dit, voilà, enfin. Tu n'as aucune chance de t'en sortir, moi je m'en lave les mains, mais il t'a pas spécialement mis dans la merde ou enfoncé par Ouais, rapport à ouais. ça. Ouais, non, mais enfin, c'est une idée. Après, comme l'a dit, sinon, Obi, on utilise, on va dire, notre vote pour subventionner un truc en échange d'avantages. Tu vois, par exemple, la grue propose Doji Anae, c'est une jeune courtisane, d'après ce qui est marqué. Du coup, on va dire que c'est pas le candidat le plus badass qui est proposé. Et donc, Les ça veut Doji dire sont qu'elle deux a. fois. Non, non, Mais c'est une erreur. moi je Le regarde le premier, côté c'est un technique, tu clan. vois, la plupart des autres c'est des guerriers. C'est quand même une des rares courtisanes Non, qui est proposée Kitsumaï, un quoi. lion, c'est pas un guerrier, c'est une Shuganja. Oui. Sauf que Kitsumai, je préférais qu'elle reste proche de nous parce que c'est une pote à nous. C'est sûr. Bon, au moins, ça veut dire qu'on peut avoir confiance dans ce qu'elle fait là-bas aussi. Donc, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, Doji Anae, le fait que ça soit une jeune courtisane peut dire qu'elle n'a pas forcément beaucoup de soutien, surtout que là, la grue, ils ont peut-être un peu de problème à l'imposer. Donc, si nous. On va les voir en disant voilà, on veut bien vous soutenir. Déjà, ça peut faire un côté moins honorable vis-à-vis de la grue, ils sont peut-être un peu moins vindicatifs. Et deux, on peut demander par exemple un soutien vis-à-vis de Shinjo, par exemple, pour développer son truc. Parce que ça veut dire juste des ressources, genre payer les 5000 coucous, enfin, tu vois, des petits trucs comme ça, ou pas forcément payer, mais au moins soutenir Shinjo dans ce cadre-là, vous allez envoyer des artistes, des machins comme ça, puis vous ne lui ferez pas payer. Donc du coup, c'est des choses qu'elle va récupérer, non pas en argent, mais en cadeau, que du coup, qui permet comme si elle les avait payés. Tu vois, ça peut être un truc comme ça qu'on peut jouer, sinon. Ou un autre clan, je veux dire, qui pourrait servir. Enfin, je pense à Shinjo, parce que c'est elle qui est actuellement vraiment dans la merde, et qu'elle a son Jempoku qui va pas tarder à faire. Donc du coup, je pensais à ça. Après, si tu as des trucs à développer pour la magistrature aussi, bah, Yoshi, il faut pas hésiter. Moi, je dois bien t'avouer que là, j'ai eu un petit moment de flottement pour mon personnage, un petit moment. Hein. J'ai vécu une période un peu dure pendant un an, donc du coup, je suis un peu... Voilà, je compte les jours. Ok, premier jour, ça va. Deuxième jour, voilà, j'attends le. Je suis pas encore dans un plan machiavélique, Bah, donc tu du t'as dit coup, que tu pourrais négocier avec ouais. la grue, que justement la grue te foute la paix et ne traîne pas de rancune contre toi, quoi. Je sais, mais je veux dire, pour l'instant, c'est ce que je pourrais faire. Mais je veux dire, dans un premier temps, c'est pas une priorité vis-à-vis de comment est la situation. Je veux dire, j'ai une largesse que d'autres n'ont pas. Par exemple.
l'intérêt pour mon clan ou l'intérêt pour Shinjo, par exemple. Après, toi, par rapport à bon, au Pirate Senshi, ça c'est une chose, mais par rapport au développement de ta magistrature, est-ce que t'as des choses que tu aurais Je suis besoin? en train d'y réfléchir. Voilà. Ben, Après, des choses en fait, concrètes, je tu suis même pas vois. sûr de quelle étape où ça, elle en est, la magistrature. Donc, C'est. Voilà. ouais, mais dans son développement, en fait, par rapport à ce que j'avais pu. Bah, est-ce que vous avez Alors, des Yorikis, genre des Emin ou des Ronin qui travaillent pour vous? on y travaille, on fait une école. Ah Vous oui, c'est avez vrai, des sous? c'était ça en fait. L'une des idées, ça pouvait être d'avoir des magistrats, enfin des profs, tout ça, mais pour le coup, je préférais des gens de confiance en fait. Ça c'est pas facile ça. Faut une bah, pour avoir des gens de confiance en fait, il faut que tu aies déjà une il faudrait que tu puisses écrire une sorte de Ouais, pas de je sais. règlement mais tu vois un Non, petit je truc genre sais. les 5 commandements ou les 10 commandements et du coup comme ça Obi peut te dire bah voilà, c'est carré mais au moins c'est moi Ah, c'est je comme ça que sais. je ferais, Bah, tiens un peu j'avais trouvé un truc un peu équivalent, faut que je retrouve maintenant. truc simple mais au moins les grandes lignes quoi. Bah du coup qu'est-ce que toi t'aurais besoin sinon Shinjo en fait comme soutien 5000 À part coucous. un, à part, à part 5 000 coucous en cash. Ben, du coup, j'aurais bien commencé à travailler le plan de l'installation définitive des jeux chez moi, quoi. Ouais, parce que ça, par exemple, c'est un truc qu'on pourrait nommer. Comme tu l'as très bien dit, Shinjo, l'organisateur n'est pas forcément un licorne. Ok, parce que ça respecte les règles. Donc tu vois, tu apprends à jouer sur les mots, hein, on est d'accord. Mais ça aura toujours lieu là. Et là, du coup, ouais, s'il y a plusieurs clans qui sont prêts à soutenir, ça peut être intéressant. Ouais. Surtout des clans majeurs, hein, parce que ceux qui fournissent le plus en colonie, bah, il y avait les grues, les dragons, la menthe, sont des clans qui sont assez badass, quoi. Donc voilà, du coup, on peut soutenir. Après, on peut jouer machiavélique tous les trois. Nous, on est au courant de notre de qu'on vise ce truc-là, mais on peut très bien aller voir des clans séparés. Pour que chaque clan puisse donner un avantage, par exemple, à Shinjo. Nous, on a donné notre voix à ce clan-là, mais ce n'est pas forcément les trois d'un bloc. Mais ce n'est pas nous qui allons faire forcément changer la donne. Mais du coup, on a négocié ça. Après, il faut voir Négocier avec quoi? le MJ, mais dans l'idée, Ah c'est oui, ça. c'est qu'on aille voir tous les trois le même clan en lui disant, oh, tiens, on a des gens que ça peut qui enfin, Non, on non, accepte de non, soutenir non. ton poulain en échange d'un service et puis plus tard au fur et à mesure on va bah. Non, pas ça. Non, non, soit on va avoir le même clan et du coup on impose trois voix, enfin dans l'idée, trois influences, ce qui est énorme. Soit on va avoir chacun un clan différent pour le même objectif, mais ils ne sont pas forcément au courant. Et du coup on soutient trois poulains différents, mais on a en fait le même cadeau, du coup, qui est l'instauration en fait du village de Shinjo. Voilà. C'est plus ça. Genre, moi je soutiens la grue, ça me permet peut-être de m'aligner. L'un soutient la menthe. Par exemple, toi, Tsurochi, bah, Yoshi, peut-être la menthe. Et Shinjo va prendre par exemple l'araignée. Du coup, on soutient. Enfin, quoi qu'il n'y a pas d'araignée là. Mais on soutient en gros chacun notre truc. Et à ce moment-là, bah, les trois clans qu'on soutient doivent, on va dire, soutenir Shinjo dans son apport. C'est-à-dire trois. Ouais, je sais N'oubliez pas pas si que vous suivez là du coup. vous avez la possibilité Si, si, j'ai aussi parfaitement compris, ouais. de soutenir quelqu'un qui n'est pas dans la liste, hein. Ouais, un Emin. Non, Bah, je vois mais. pas trop qui soutenir en fait, enfin, en dehors de ça. J'avais pas trop d'idées. Bah, soit, si, hein, soit tu soutiens quelqu'un que tu apprécies, Non, soit. je sais, t'inquiète. De toute façon, moi, ouais. Ouais, je sais pas. Bah, de toute façon, voilà. Bon, c'est simple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on veut absolument poser là-bas, dans les listes qu'on a? Non, Non. Bah, moi, je trouve ce... bon, la Lyonne, je suis pas contre parce que ça m'intéresse toujours le côté un peu mystérieux et voyage. Après, je préférais un peu l'accompagner aussi parce que c'est plus d'un point de vue connaissance et puis ça m'intéresse juste pour l'histoire. Mais bon, sinon, Kitsurai, c'est la seule Shugonja des Lions. Clairement, on la perd. On perd le seul Shugonja qu'on a. Non, mais voilà, Katsarozu, il a proposé Kitsumai parce qu'il fallait proposer quelqu'un pour être dans le coup, quoi. D'accord, Mais ouais, pour qu'il n'y ait pas trop de cash, mais voilà, pas. clairement, si tu commences à dire que tu supportes Kitsumai, il va venir te voir, il va te dire non, tu la supportes pas. Non, D'accord. non. Ok, bon, bah, tu vois, donc clairement, moi, j'ai pas de soutien prioritaire. Donc, clairement, là, notre vote pour moi, enfin, le mien en tout cas, il est purement pour vous aider ou aider quelqu'un. Hein. Soit on élimine quelqu'un, on l'envoie très loin, et Inch'Allah, s'il survit, soit on fait pour négocier un truc, comme l'a proposé Obi.
faire, ça peut être pour moi de proposer ma voix aux grues pour essayer d'atténuer un peu la haine qui sont sur moi. Mais bon, comme l'a dit Obi, c'est en train de se régler un petit peu tranquillement la cour impériale entre courtisans. Donc c'est pas, on va dire, sur le feu du fait que la personne est morte, que le doji est mort. Là, la question, c'est plus, je soutiens leur candidat en échange. Vous soutenez une action qui peut, pour eux, le développement du village de Shinjo, c'est pas forcément un mal pour eux, comme l'a dit Shinjo. Les infrastructures sont faites. Eux, après, il y a juste à rajouter un petit peu de fric pour changer la déco, et puis ça marche. Hein. Tu vois, comme ça, quand genre, si la grue prenait le village pour une année, bon, ils changent la déco, ils mettent des décos grues, on va dire, sur certains endroits, ils rajoutent un peu de déco. Et puis voilà, ça n'aura pas coûté trop cher. Il y a toute l'infrastructure, la sécurité, les hôtels. Parce Oui, que ça Obi, rentabilise. le village où je suis, en fait, il n'est pas aux couleurs de la licorne, je crois, non? C'est pas un territoire licorne, là où je suis. Chaque province et enfin, chaque village et chaque zone est désigné à un samouraï. Donc, en fonction de comment dire la temps. Au plus un territoire est dans un même clan depuis longtemps, au plus il est marqué par cette présence-là, quoi. Et après, il y a des zones géographiques où les clans sont plus présents. Par exemple, au nord de Seconde Cité, légèrement au nord, c'est plutôt les dragons. Encore plus au nord des dragons, c'est les licornes. Et après, vers l'est, vers le nord-ouest, c'est plutôt les araignées. Vers le sud-ouest, c'est les mantes. Et entre les deux, il y a un peu tout le monde, quoi. Non mais de toute façon, Shinjo, dis-toi que même si ton village reste vraiment typé licorne, c'est pas pour les quelques sculptures et quelques drapeaux qu'ils vont mettre pendant une semaine que ça va changer Non, ton c'était pas pour ça, infrastructure. c'était pour savoir vis-à-vis de ça si ça créait des problèmes par rapport à mon clan, c'est tout quoi. Bah si c'est juste de la déco temporaire. Après, Parce que du coup, si les terres sont pas attitrées à mon clan, ça gêne pas, ça gênera personne elles si sont, on elles fait tout sont ça, quoi. attitrées à toi pour l'instant. Elles sont attitrées à toi, donc. Après, à toi, tu peux tout à fait négocier avec ton clan pour envoyer quelqu'un d'autre gérer ces terres et toi faire autre chose si tu as envie, ça peut être faisable. Si tu fais une grosse erreur, une grosse bourde, il y a des grandes chances que bah, le clan de la licorne te demande soit de faire soit de te faire ses beaucoup, soit de te faire. Ils te feront Ronin. Ils récupéreront probablement le village. Soit en le donnant à ton mari directement, tu le gères, voilà, et puis voilà, lui il reste licorne. Et soit si lui aussi dans l'histoire, bah ils le remplaceront, quoi. Après, maintenant, si tu te fais envahir par le clan de la grue, du crabe ou autre chose, ça va probablement déclencher une guerre, mais où ils négocieront, voilà, et puis peut-être que dans l'accord, ton village passera demain, quoi. Peut-être pas. Ah, elle est jolie la magistrature du haut. J'aime beaucoup les jardins. Ouais, sont chouettes. Alors voilà, donc du coup, ouais, Bon, après faut le voir dessin est pas de comment. moi, hein, Ah, évidemment. j'ai vu, c'est Olivier Sanfilippo. Je le connais ce dessin. Du coup. C'est sorti de ce Sunda Mizumira, non? Non, c'est sorti de sa campagne personnelle. Parce que j'avais déjà vu cette image, il en parlait. Ça faisait pas mal pour une magistrature. Je me suis dit, tiens. Ouais, Avec faut les que je petits le fasse hein, bassins pour maintenant. noyer les otages et les gens. Et t'as le petit i là au milieu, c'est pas mal comme zone d'exécution. Et on met des piranhas autour histoire de les nourrir avec le sang. On va appeler ça la pagode de Senshi. Donc, du coup, oui, on pourrait voir pour Le ça, quoi. piédestal de Bayushi. Du coup, il faudrait voir pour ça au niveau des gens. Du coup, qui est... bah après, est-ce que déjà, il faudrait savoir s'il y a des clans qui seraient réticents à ton idée, parce que s'il y a des clans qui disent, oh non, c'est une bonne idée, fonce mon Alors, gars, ça sert à concentrons-nous rien d'abord de. sur l'ambassadeur. Hein. Je veux dire, d'abord l'ambassadeur. Est-ce que vous prenez une décision d'aider quelqu'un ou pas? Si vous dites non, ok, très bien, on accélère, on passe à autre chose. Ah, si, on va, non, mais on va aider quelqu'un, mais c'est de savoir qui, en fait. Et pour savoir le qui, c'est pour savoir aussi déjà, pour l'idée de, si on part sur l'idée de Shinjo, quels sont les gens de, quels sont les clans qui seraient prêts à suivre cette idée de Shinjo, comme ça, en fait. Parce que du coup, c'est plus intéressant d'aller voir des clans qui, eux, sont négatifs,
ou des clans qui sont plutôt très influents auprès des autres clans pour imposer ça. Ou genre, par exemple, peut-être quel est le clan qui désire ardemment récupérer le Jempuku, qui ne l'a pas encore eu et qui tape du pied devant la gouverneure à chaque fois. Bah, le clan de la grue. C'est le clan de la grue. Bah, du coup, Ouais, c'est ceux qui ont été le plus vexés la fois dernière. Ouais. voilà, c'est plus eux qu'il faudrait convaincre en leur disant, en gros, bah, Ouais, on je va dirais que c'est faire. le clan de la grue et le clan de l'araignée, ouais. Du coup, donc c'est eux qu'il faut convaincre. Les clans de l'araignée, t'as déjà pas mal de billes, j'ai l'impression, chez eux, Shuba. Pas Shuba, Sia. Donc, du Bah, coup. pas spécialement en fait, je connais juste la Degutsu Mekuko, c'est tout quoi. Oui, mais. Enfin, non, parce que Degutsu Mekuko, tu lui as permis de faire une cérémonie au mariage de la gouverneure, clairement. Les gens de l'araignée te voient comme quelqu'un qui est pas hostile au clan de l'araignée, ce qui est beaucoup par rapport à tous les autres. Donc oui, t'as des bonus, arrête de rêver, enfin arrête Ah, de je le voyais pas, fantasmer. je le voyais pas comme ça en fait. Alors ça va pas te permettre de. On va dire, on t'invite pas à boire un café à tous les coins de rue non plus, hein, faut pas déconner, mais voilà. Oui, clairement. Clairement, le clan de la grue te connaît, enfin le clan de l'araignée te connaît. Le clan de la grue aussi, mais pas pour la même raison. Et du coup, voilà, ça peut t'aider. Ouais. La question c'est est-ce qu'on soutient tous les trois le clan de la grue? Pour faire un gros poids auprès de la grue pour aider Shinjo, ou on se divise pour essayer d'avoir grappillé des petites dettes, on va dire, mais auprès de la. Sachant que voilà, faut après voir notre soutien. Parce que clairement, vu ce que vient de me dire Obi, le clan du lion serait prêt à soutenir quelqu'un d'autre s'il voit son intérêt aussi. Non? Après ce que m'a dit l'ambassadeur Lyon. Bah oui. Donc S'il du coup. a donné juste un nom au pif, pas le premier qui lui est passé par la tête histoire de proposer quelqu'un. Voilà, donc du coup, moi je peux très bien négocier, enfin essayer de voir auprès de l'ambassadeur pour négocier ça et dire voilà, si lui vient voir un clan en disant je veux bien donner ma voix à Bachin, du coup, moi je peux très bien, genre par exemple à la grue. Bon, je peux dire à la grue, hein, hypothèse. Moi, je vous donne mon influence, mais je peux, par exemple, influencer l'ambassadeur Lyon pour qu'il vote pour vous en échange pour lui. Ça montrera ce rapprochement, etc., entre la Alors, grue et le lion. ça va pas forcément être un vote, hein. Non, mais je Enfin, veux dire. démocratique dans l'idée, c'est plutôt, on va dire, par les rumeurs, les machins, voilà, il va y avoir des espèces de combinaisons d'actions de courtisans qui vont aboutir à une décision collective, quoi, et voilà, l'idée c'est ça. Enfin voilà, en gros on joue de notre influence. Et puis moi je dis à mon ambassadeur que voilà, ce serait bien que la grue parte, ça permettrait de calmer les tensions entre nous deux, voilà, en faisant un geste, quoi. Comme ça, lui, ça lui coûte rien, il s'en fout un peu. Moi, ça me permet comme ça d'imposer mon influence auprès de la grue, alors en échange justement du fait que il file le soutien pour l'établissement permanent du Jempoku au village de Shinjo. Ainsi qu'une parole de paix entre moi et leur clan. Mais ça va pas paraître trop gros si on vient tous les trois pour dire à la grue, hey, salut les grues, on est prêt à t'aider à te soutenir alors que genre une semaine avant on essayait de les pourrir quoi. Alors, il y a deux choix. Soit on y va individuellement, soit on y va tous les trois, mais ils savent qu'on est copains, donc du coup, ça les étonnera Après on pas. y est allé, après on est tous allés dans le fort pour des raisons différentes aussi quoi. Clairement, ouais. Mais Moi voilà, non. je rappelle moi j'y suis pas allé, enfin j'y suis allé plus ou moins contre l'accord de mon clan. Hein. Ton futur ex-clan quand même. Ouais. Ouais, pour l'instant ouais. Du coup, si, juste pour une question, Obi, si Shinjo gagnerait le fait que c'est son clan, donc sa ville, qui organise le Jempoku de façon permanente, est-ce qu'il va pas gagner des billes auprès de son clan? Ça pourrait. Parce qu'on est d'accord que même si, entre guillemets, c'est pas lui qui organise chaque année, le fait que ce soit toujours chez lui, je dirais, il y a quand même. Oui. Voilà. Oui, c'est sûr. Voilà, du coup, ça pourrait aider Shinjo aussi à avoir un peu plus de soutien dans son clan. Parce qu'il y a quand même une partie du clan qui admire Shinjo pour tout ce qu'elle a fait, ses récits et tout.
fait qu'elle se soit battue héroïquement au niveau honneur et tout, elle doit quand même être soutenue par une partie des. C'est ce qu'on avait joué la dernière fois, c'est-à-dire que quand elle est partie pour le fort, le mec lui a bien demandé de ne pas partir avec des troupes licornes qui pourraient être susceptibles de l'accompagner. Donc on est par d'accord. Sa gloire, etc. Mais après, l'ambassadeur, lui, il a une autre vue de la chose. Lui, c'est pas un combattant. Lui, il voit une chose, c'est que ça attire les foudres de la grue politiquement parce que il y a une licorne qui vient les aider. Il y a, comme par hasard, un marchand licorne qui les ravitaille. À un moment, les grues ils vont leur dire arrêtez de nous foutre de ma gueule, clan de la licorne, quoi. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que si, imaginons que Shinjo était fait trop nain, etc., ça risquerait pas de jaser un peu dans le clan de la licorne ? Bah, faut avouer que c'est quand même la licorne qui a été le plus reconnue ces derniers temps, en tout cas dont on a entendu parler, quoi. Ouais, et puis grâce à Shinjo, hein, c'est quand même Shinjo qui a été Ouais, mais je veux dire, si les grues font de la pression pour que Shinjo devienne Ronin, ils y arriveront. Hein. Voilà. Du coup, si les grues mettent leurs moyens surtout sur un clan allié comme la licorne qui a entre guillemets dépend d'eux historiquement. Oui, non, clairement. Il y a pas grand monde qui peut tenir. Mais du coup, si on fait un forcing sur la grue. Pensez bien ils vont peut-être lâcher du lest sur Shinjo. Pensez bien que la grue a plus à perdre. Que la licorne a plus à perdre en perdant l'amitié des grues qu'en perdant Shinjo-Zia. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Hein. Et si Shinjo, en gros, négociait le vote pour la grue en échange justement de leur bonne faveur auprès de son ambassadeur, pour faire plus simple que l'établissement, est-ce que ça marcherait ? Je sais pas. Parce qu'on est d'accord, bon, y a l'idée du festival permanent, mais si on disait juste à la grue, bah voilà, on vous soutient, mais par contre vous soutenez Shinjo auprès de son administration, enfin auprès de son clan, en disant que c'est un gars super bien et que vous lui en voulez pas du tout. C'est aussi simple que ça. Hein, comment dire, le clan de la grue, il attaque pas forcément Shinjo-Zia elle-même, il attaque le clan de la licorne, parce que le clan de la licorne joue sur deux tableaux. Ouais, après, soutenir, peut-être que du coup il pourrait arrêter. Après, la politique du clan de la licorne, c'est de dire on joue pas sur les deux tableaux. Shinjo-Zia va à l'encontre de la politique du clan. C'est elle qui a fait le deuxième. Qui a fait le coup de pute, entre guillemets. Elle fait plus partie de notre clan. Voilà. Tu parles de ces grues qui font des attaques en pyjama, qui trafiquent quand ils attaquent Kalani en soutenant l'araignée. Enfin voilà, hein, tu parles de ces. Qui jouent sur deux tableaux. Ouais, mais jusque-là, ils se sont pas fait choper, eux. Non, c'est parce qu'ils sacrifient leurs hommes qu'ils se font choper, parce qu'eux, ils ont tellement de l'honneur qu'ils s'empalent sur leur sabre avant de se faire découvrir. Ouais, dans tous les cas... dans tous les cas, je veux dire, c'est que... ça va pas non plus être miracle, hein. L'envoi d'un ambassadeur, ça va pas effacer une dette énorme, hein. Non, c'est sûr, mais c'est pour ça que si on était tous les trois, voire un peu plus, à choisir le clan de la grue, je pense que l'ambassadeur Lyon, il est pas contre d'envoyer la grue, surtout si ça peut, on va dire, améliorer les relations. Oui, bien sûr, lui. Voilà. Lui, il est ravi. Hein. Voilà, donc du coup, ça peut, voilà, je veux dire, ça coûte pas forcément énorme, et on peut, voilà. Après, c'est qu'est-ce qu'on demande en échange d'utiliser notre influence pour dire oui, la grue serait sûrement très bien. Quoi. Sachant que naturellement, le fait de dire ça, pour tout le monde, ça veut dire qu'on essaye de calmer la population, enfin de montrer que la grue, c'est des mecs sympas, qu'on a passé l'éponge. Parce que comme dit Obi, c'est des rumeurs. Ça veut dire qu'on va lire dans les salons, je pense que la Doji, je ne sais plus le nom là, Doji Anae serait sûrement très bien à ce poste-là. Enfin, c'est ça hein, l'idée, hein. C'est ça en vrai, Obi. Oui. Donc oui, du coup... Alors, il y a plusieurs approches. Vous pouvez le faire, on va se dire, safe, qui est d'envoyer des rumeurs. Vous pouvez le faire de la façon badass, qui est, vous levez et vous dites, vous allez voir la personne que vous voulez désigner et vous la félicitez pour son poste. Ah ouais, là bon. C'est la version badass. Ah ouais, voilà, ça c'est la version badass, c'est le ND50 en courtisan, ça. Hein. Voilà. Je peux acheter le trait qui va avec.
Alors, je pense que je vais pas tenter la version badass, j'ai pas confiance en ton système de dés. Bah, Il c'est nous a con encore parce montré que. lundi qu'il avait des failles quand il s'agissait de mégé. En même temps, c'est tellement tentant. C'est un jet de courtisan, ouais, mais bon. J'aurais intuition à 4, je le tente. Mais sinon, non. Je te rappelle que le NS50 en 8 jets de 4, courtisan, hein. avec Muromoto Tomoe, tu l'as raté, hein. De 1. Hein. Ouais, Donc, de 2-1, ouais. De Ouais, 1 ça... seulement. Même pour moi, ça ferait du 9G5. Bref. Alors, voyons voir, j'ai 7 points d'XP. Techniquement, je pourrais monter courtisan à 4. Hein. Parce que tu vois, moi là, j'ai quoi? J'ai 5G3. Si je l'avais à 4, ça me ferait du 6G4. Je dépense un point de vie du 7G5. Ah! Ça peut se tenter. Je sais pas, moi, le fait de se la péter comme ça, Après, on peut pas ajouter quelque chose, honneur, gloire ou un truc comme ça? j'aurais tendance à rajouter votre statut, Ah, éventuellement, voilà. pour que Ah, le votre statut statut, soit déjà, c'est pas. considéré comme tel. Parce que clairement, bon, si vous êtes magistrat, enfin si vous êtes samouraï de base avec un statut, ouais, non, clairement, les gens seront morts de rire et on vous demandera de vous faire seppuku, hein, si vous faites ça. par contre, non, par La contre, blague ouais, était pas mal. Bayushi avec son statut un peu officiel, ça passerait peut-être un peu plus facilement, je pense. Ouais, Après, mais bon, je vois vraiment pas. Bah, pour l'instant, je suis en Shinjo système de dés. pourrait passer pour une amie ou une bonne copine plutôt de la gouverneure entre guillemets, et que donc elle voilà, ça justifie le fait. Après, tant que c'est pas désavoué, de toute façon, ça sera vrai. Hein, mais De toute façon, on est d'accord, avant de le balancer comme ça, il faut qu'on les négocie avant. Oui, ouais. pas forcément. Pas forcément parce que si vous êtes sûr que vous allez avoir les soutiens suffisants, pas forcément. Alors c'est mieux, pour être sûr d'avoir les soutiens suffisants, il vaut mieux avoir discuté avant, je suis d'accord, mais c'est pas obligatoire. Parce que moi, j'aurais quand même en parlé un Parce tout que petit peu à mon ambassadeur, parce alors, que on est si vous très. étiez une scorpionne courtisane avec un dossier sur chacun des courtisans à la cour, voilà, vous levez, vous faites ça passe crème, parce que tous les autres ils vont se taire, parce qu'ils savent que vous pouvez tous les faire chanter. Du coup, voilà. Ouais, du coup. Ouais, mais du coup, on est aucun de nous n'est un courtisan badass scorpion avec Ah des bah oui, non contre mais vous êtes de soutien. débouchés, vous n'êtes pas courtisan non plus, quoi, donc Là, surtout faut pas rêver ça. non Depuis plus, ces 6 hein. derniers mois, on a passé, comme je disais tout à l'heure, l'équivalent de 3 semaines en présence d'humains n'étant pas des ennemis. Est-ce que Madame Akono peut me donner un bonus pour pouvoir avoir l'air badass? Je suis la version badass. Comme elle est courtisane. Je connais pas son école, mais je sais qu'il y a certaines écoles comme celle d'Ikoma à Dénion. Tu peux filer un boost en fait à une personne. Il me semble que son école fait des choses comme ça, mais ou alors non, c'est qu'elle peut utiliser sa compétence histoire pour avoir des bonus elle en courtisan. Ouais, je sais pas, hein. Je sais pas ce qu'elle fait toute son école, je ne la connais pas par cœur. Je sais que l'école Ikoma, mais je sais pas sur quel trait, elle peut booster un gars en fait. Tout. Sur En tout? fait, c'est elle te donne le rang elle donne le rang du barde. En dé lancé supplémentaire à un G. Non, parce que du coup, si je négocie si bien avec mon ambassadeur et qu'il me dit vas-y champion, et qu'il me motive un petit peu, du coup, manger. Il est quand même plus badass. C'est sûr. En fait, si tu fais d'abord ton G, si tu échoues, tu peux relancer avec le bonus, je crois que c'est un truc comme ça. D'accord. Ouais, Pour être du coup. précis, l'école du coma. Ok. Et alors, l'école à Sako. Bah non, c'est pas là. Ouais, je sais. Coup pour vous les autres, on soutient la grue ou pas du coup? On soutient tous les trois la grue pour être sûr de l'imposer. Moi, je Vous demande en parler voulez. avec mon ambassadrice d'abord. Parce que moi, clairement, la grue, c'est plus avantageux pour moi parce que, bah, voilà quoi, par rapport à l'histoire. Mais s'il y a besoin de soutenir quelqu'un d'autre, je soutiens quelqu'un d'autre. Bah, moi, je pense pas que ce soit nécessaire d'en parler à nos, enfin, à mon ambassadeur, quoi, je veux dire. Toi, ton ambassadeur, donc, c'est sûr. Non, mais je veux dire, c'est notre affaire personnelle, c'est pas le clan qui soutient, de toute façon, à la base, c'est nous. Non, mais si tu as le soutien de ton ambassadeur, c'est un soutien en plus dans la discussion. Ouais, pas faux.
Enfin, moi, je sais que, vu ce que m'a dit Obi, j'ai son soutien. Après, pour toi, c'est un peu plus tendu. À mon avis, Bayushi, son ambassadeur a déjà plus ou moins quelques plans. Mais bon, à mon avis, il va le faire payer à Bayushi très cher. Mais... Je sais pas, parce qu'à mon avis, son soutien à elle, à mon avis, elle le négocie fortement. Comme disait Obi, elle a des dossiers. Non, moi je veux juste lui demander si ça lui pose problème, si je le soutiens elle, hein, c'est tout. Hein. Je vais pas lui demander son soutien à elle. Ah ok, je pensais que tu voulais... Vais lui expliquer que je souhaite obtenir une dette auprès des grues et que Ouais, elle peut te donner un plus 5. Ah, c'est déjà bien, plus 5, hein. Éventuellement. Pendant 24 heures. Le truc de Nicoma, si j'ai un peu mon statut, à moins de me chier comme une merde, ce qui va sûrement m'arriver au G, il y a moyen de faire mon 50. Ouais, moi ça me fait 9G5 aussi, quoi, mais bon. J'ai pas le bol des hobby au dé, moi. Tu crois que je l'ai? J'ai pas 9G5, hein. Après, l'idée c'est que je veux pas non plus perdre trop de temps en dessus, on a deux choses à faire, donc si Ouais. vous avez pas d'idée, on passe à la suite, hein. Moi j'ai pas envie de perdre du temps là-dessus, hein. Non mais voilà, Clairement. moi j'ai dit, hein, c'est juste parler à mon ambassadrice, voir si ça lui pose problème, si je soutiens la grue en lui expliquant que moi je compte obtenir une faveur en échange. Elle te répond qu'elle s'en fout, hein. T'es grand, tu fais ce que tu veux. Moi j'en ai parlé à mon ambassadeur Lyon. Du coup, je dis que, en gros, je veux faire ça pour à la fois ce qui permet d'apaiser les tensions entre mon clan et le sien. Et d'un autre côté, si ça me permet de mettre dans les bonnes grâces, donc bonne grâce, c'est-à-dire si je peux récupérer des dettes, auprès de la grue, je serais pas contre. Bah, il accepte, mais tu lui devras une faveur. Bien sûr. En même temps, est-ce que j'ai déjà refusé des trucs? Alors, là, je considère que la faveur, c'est uniquement pour que le soutien du clan du lion aille vers le même poulain que tu désignes toi à Kodo. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. C'est bien. Et par contre, je veux juste qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce qu'on obtient. Une fois. Parce que, imagine, on va faire en mode badass, on l'a choisi elle, direct. À mon avis, le clan de la grue va venir nous voir après et nous dire, c'est gentil d'avoir fait ça, vous vouliez quelque chose en échange. Et c'est là qu'ils vont nous dire ça. C'est comme ça que ça va fonctionner ou pas, Obi? Il faut qu'on aille les voir avant. Vos nourris vont vous faire ah, ah, merci du coup de main. Ouais. Ah, Non, si. non, non, les grues sont pas Ils sont trop général comme les profiteurs dans le Lannister, ils sens. sont reconnaissants. Ils payent leurs dettes. Ouais. Mais oui. Après, non, il vaut mieux t'en assurer en allant avant. Parce que soit tu. Enfin, c'est un peu comme tu veux, c'est-à-dire que si tu vas avant, tu joues le fait que c'est une manœuvre politique, tu indiques clairement que c'est une manœuvre politique, alors que si tu donnes ton soutien sans venir les voir, ils peuvent prendre ça pour de la courtoisie, mais les bons courtisans comprendront que c'est quand même une manœuvre politique. Mais une manœuvre politique peut-être un peu plus habile. Moi, je vais tenter celle-là, alors la deuxième. Parce que d'un côté, même si j'ai pas une grosse dette envers eux, ils vont voir que j'ai été un mec sympa. Genre, je passe l'éponge sur le conflit que j'ai eu avec eux et des Oui. 300 bouchis que j'ai massacrés. Ah, tu fais preuve de 300, 4000, ouais. Du coup, Obi, si on y va tous les trois et qu'on dit la même chose en même temps, quoi, ça fait quel effet? À tout hasard. Ça fait le truc vachement. Je dirais que ça fait une faute d'étiquette en fait, mais parce que forcément vous allez parler l'un de l'autre et que du coup ça fera pas joli. Par contre, une personne peut parler et dire que Shinjosiya, Bayushi Takeyashi et moi-même Akodo Ichisama, enfin Akodo Ichi, nous souhaiterions voir un machin. Ah, vous pouvez envoyer un représentant qui parle en vos trois noms si vous voulez. Faudra aller avec lui, mais les autres ne parlent pas. Du coup, moi, je peux parler au nom de l'ambassade Lyon, du coup? Oui. Bah du coup, ouais, si les clans, parce que moi, j'y vais demander à mon ambassadeur Licorne alors aussi là, l'autorisation. Hey.
Je sais pas si t'aurais dû, mais bon. T'as dit quoi? Il a dit qu'il allait voir Bah, son je pars du principe ambassadeur. que, comme il y a eu une proposition aussi de personne licorne, quoi, il risque de mal le prendre, quoi. Ouais, vu comment il est, ouais. Si tu veux, moi j'ai Du su coup, que. je préfère demander, quoi, parce que. Non, mais toi, vaut Je mieux vais que tu demandes. Ouais. essayer d'argumenter quand même, quoi. Ah, tu veux faire en fait comme Bayushi. Tu veux demander si toi tu peux donner ton vote, c'est ça? Parce que sinon il l'aura mauvaise, hein. Ça, tu sauras ce que tu peux faire. Bah, je t'en prie, vas-y, parle-moi. Ça va être du miel dans Ah. ça va être du miel dans mes oreilles, hein, crois-moi. Shinjo Izanagi Dono. Shinjo Ziasan. Oh, le vache, le salaud. J'aimerais porter le choix de l'ambassadeur sur celui de la grue. Josiasama, je vois en cela une manœuvre désespérée pour votre Putain. survie. Je ne pensais pas à cela, Shinjo Zanagi Dono. Et Je moi, j'ai pense. sincérité, s'il te plaît. Oui, c'était pas à ça que je pensais. Mais je suis sincère en plus. Mais être sincère n'est pas suffisant. Montrer que tu es sincère est nécessaire. Oui. Et même plus que suffisant. J'utilise un point de vide. Hein. C'est une bonne idée, ouais. Ouais, clairement. Oui, quand même. Ah bah c'est pas mal quand même pour moi. Peu, hein, quand même. Hein. Je tiens à le préciser. Je serais tenté de dire que Ouais, t'as déjà enfin. vu pire. G5, moins 5, 27. Ah, c'est le 3 qui pêche. T'aurais dû aller éteindre le 30 pile, ce serait mieux. Sinon, c'est un bon jet à part le 3. Continue, continue. Donc Shinjo Nagi Nono, je ne pensais pas à mon statut personnel. Je pensais à celui de notre clan. Avantager l'ambassadeur du clan de la grue nous permettrait sans doute de pouvoir négocier l'installation des jeux permanents sur un de nos domaines. Cela ne va pas à l'encontre des directives de la gouverneure. Toujours Il me dit qu'il réfléchit, ça tue. ouais, bah ouais, bah non, non mais c'est bien, c'est bien, c'est bien foutu. Ouais, t'as très bien dit. Me semble que l'organisation du tournoi a été commandée par un règlement assez simple qui est que le gagnant organise la phase suivante. Allô? Oui. Shinro, dire, on n'entend pas. Tu parles, mais on n'entend pas. Excuse-moi, j'avais appuyé sur le bouton mute sans faire exprès. Donc, je disais, Shinjo Nzanagi Dono, l'organisateur, est un choix tournant et voulu par Iweko Tsukehime Dono. Le lieu n'a jamais été bien défini. Oui, mais si vous rendez cette faveur au clan de la grue et qu'il ne remporte pas le tournoi, c'est quelqu'un d'autre qui organisera le. Enfin, quelqu'un d'autre aura peut-être pas envie de le faire dans votre village. Si vous voulez que ça soit utile, il faudrait s'assurer que le clan de la grue remporte ce tournoi. Des bons combattants, eux. Ah bah. Le problème, c'est que le clan de la grue, parce que les bons éléments n'ont rien à faire de participer à ce concours. Oui, c'est clair, quoi. Non, mais il faut que tu justifies que d'autres clans seraient sûrement intéressés pour le Shinjo faire. Nagi Dono, actuellement dans les colonies, nous avons plusieurs difficultés. Nous avons les problèmes de ravitaillement, les lourdes taxes imposées par Rokugan, qui nuisent à l'expansion de nos terres. Nous pouvons justifier du fait que si des installations sont fixes, ça leur revient quand même à de bonnes économies. Alors, juste, je vais te conseiller de ne pas dire cette phrase comme ça. Parce que ce que tu viens de dire, Le clan n'est pas capable de gérer. non, peut mériter ton seppuku. Parce que tu viens de dire que les impôts imposés par l'impératrice sont trop hauts.
C'est purement ce que t'as dit, hein. Ouais, c'est ouais, je pensais pas comme ça, mais ouais, bon, ouais. Okay. C'est quoi ? Tu es plus fin politicien que moi. Donc, revenons en arrière. Nous, actuellement, les conditions dans les colonies sont assez rudes. Peut-être nous pouvons justifier d'un lieu fixe, histoire de pouvoir faire montre d'économie. Chaque fois que nous déplaçons les lieux des jeux, ça engendre des frais énormes d'installations qui ne serviront plus après. Si nous installions les jeux dans un endroit fixe, avec des bâtiments déjà tout prêts, certains clans pourraient peut-être changer d'avis. Votre idée, cependant, si par exemple le clan de la Mante venait à gagner cette année, que prouver leur... en créant eux-mêmes les infrastructures de leur ville. Ouais. Mais c'est pas fou. Il va pas pouvoir te demander ça comme ça, ça serait un peu trop violent. Mais si tel est votre désir, parlez au nom du clan de la licorne, prenez le candidat proposé par le clan de la grue, et si le tournoi l'année prochaine n'a pas lieu dans votre village, quitter le clan de la grue, le clan de la licorne. Josia Saman, San. Oh le vil. Si, du coup il s'en fout des 5000 crédits. Ah bah non, mais ça c'est... De toute façon les 5000 crédits c'est pas lui qui va gérer, hein. C'est la magistrature d'Emeraude. Hein. Ah ça va, c'est pas comme si t'avais déjà des arriérés avec eux. D'ailleurs, je l'ai pas vu sur ton plan, le cimetière. Non, les tombes sont profondément cachées en dessous d'un champ. Alors, ça n'existe pas, hein, les cimetières. Juste pour rappel, on brûle les corps. Si, il y a des tombeaux de temps en temps, oui, des cultes. Temples. Bah, ouais, mais c'est des urnes. Des voilà, c'est des urnes, non, mais voilà, mais au moins, il y a... Y a bah, mais en superficie, c'est plus petit, quoi, qu'un cimetière, quoi. Et puis les tombeaux, c'est chez les libellules. Il faudrait que vous donniez un coup de main, enfin que vous souteniez aussi le clan de la Mante. Vous allez dans l'autre sens, quoi. Non, je sais pas, enfin moi de toute façon on peut pas tous les choisir. Donc, Oui, parce qu'après, vous êtes pas assez nombreux pour pouvoir arroser tous les clans. Hein. Clairement. C'est pas des dettes énormes qu'on va avoir non plus. Hein, donc, Après, vous savez que les finalistes de l'année dernière, c'était un crabe et une licorne. Hein. C'est la licorne qui a gagné. Donc on peut estimer que les crabes ont des fortes chances de finir finaliste cette année encore. Oh là, je me méfierais. Hein. C'est Obi qui parle. Après, dans les... dans les demi-finales, bah, y avait un dragon, parce qu'il y avait Missara. Ouais, mais il y avait une brutasse qui avait perdu parce qu'elle était blessée, je crois. Bah, Missara avait perdu... il a perdu contre le crabe. Parce qu'il était, en trop mauvais état. Et l'autre finaliste, l'autre demi-finaliste, s'est battu contre la licorne. Je sais pas si c'est pas Kitsune Hideko. Hideko, elle a perdu contre le crabe, je crois. Ouais, je sais plus. Après, nouveau j'aime beaucoup, enfin, nouveau G, hein, donc... Oui, bien sûr. Non, mais ça peut vous donner une idée de qui sont les clans qui envoient des gens forts, quoi. Ouais, parce que du coup, parier mon nom sur le clan de la grue qui risque de perdre parce qu'ils vont envoyer des losers. Non, mais clairement, il faut juste que tu soutiennes des clans que tu sais qui peuvent te soutenir aussi parce que eux ont des soutiens. Tu par exemple, le clan de la grue, il a des soutiens sur d'autres clans. Enfin, tu vois, ailleurs. Faut voir d'un point de vue peut-être plus loin. Sachant que le clan de la Mante, voire le clan de l'araignée, toi tu es assez connu chez eux. Ah, la Mante, c'est pas la Mante, non. Hein. T'as quand même participé à la défense de Kalani. Hein. Oui. Et les gens qui participent à la défense de Kalani, ils ont tendance à bien les apprécier. Ouais, et puis t'étais au fort à Kodo avec Kitsune Hideko. Je veux dire,
je veux dire, Kitsune Hideko, elle n'est pas rien hein, dans les colonies. Donc, je veux dire, tu as plutôt des billes de leur côté, comme du côté de l'araignée. Côté du, là où on n'a pas de billes, c'est crabe, dragon, grue, on a plutôt des boulets, hein, des handicaps. Donc, clairement, si on n'a plus l'handicap de la grue, déjà, tu as les mains un peu plus libres. Après, il faut négocier auprès des clans que tu as des avantages, et ensuite que tu négocies auprès des clans où tu as moins d'avantages, mais je veux dire, eux, peut-être, ils en ont un peu rien à foutre. Hein. Peut-être que les autres clans, on n'a pas grand-chose à carrer. Hein. Peut-être la crabe, encore. Comme tu dis, c'est des moyens. C'est la crabe qu'on aime, enfin, que j'aime pas, personnellement. Enfin, je veux dire, après, il y a toujours moyen de négocier avec eux. Hein. Tu leur dis, écoutez, moi, j'organise le tout, du coup, vous n'avez pas de frais avancés. Hein. Et puis, c'est vous qui le faites, mais vous choisissez mon village. Enfin, tu vois, c'est... T'as des clans qui peuvent être intéressés financièrement. Le crabe, il coule pas sur le pognon à la base. Ouais. C'est pas facile, hein. C'est toujours plus facile de l'extérieur quand on conseille. Mais voilà, sincèrement, je peux pas t'aider plus. J'ai quand même l'étrange impression que ton ambassadeur aimerait bien se débarrasser de toi assez rapidement quand même. Ouais, c'est l'impression que ça me donne aussi, ouais. Ouais, clairement. Ouais, la brebis galeuse, on va la voir dehors. Il y a un progrès notable. La fois d'avant, il te souhaitait un bon seppuku, là il te propose un bon seppuku, excusez-moi. Et là il te propose un bon changement de clan. Ah. Et oui. Ah, pardon, Renaud. Mais du coup, ça veut dire qu'il peut intégrer un autre clan. Et clairement, t'as des clans qui vont te faire de l'œil, je pense. Comme l'araignée. Ça serait le compte du compte, celle-là, quand même. Mais c'est possible. Hein. Tu sais, des gars aussi compétents que Shinjozia. Ah, pour faire des guerres, ouais, il y a pas mieux. Déclencher des guerres, tout ça. C'est pas donné. Hein. Ah, mais j'ai un défaut, je suis pas corrompu. Bon, ça peut s'arranger. Hein. Non, mais ils sont pas tous corrompus, des hommes. Non, ils le sont pas tous. La femme de Bayushi, elle l'était pas. Maintenant, ça a changé, c'est ça? Bon, elle a couché avec toi. Ah, c'est pas faux. Eh, mais je suis pas corrompu, moi. Alors, du coup, qu'est-ce que tu veux lui dire? Du coup, qu'est-ce qu'il m'a posé? Ouais, c'est Ronin, si c'est pas le clan de la grue qui organise, quoi. Non, il a pas dit ça. Il a pas dit si c'est pas le clan de la grue. Il a dit si le tournoi ne se fait pas chez toi l'année prochaine. Ah ok, ça me laisse. Il est pas si connard que ça. Hein voilà. Du coup, t'as une marge. C'est juste qu'il faut que tu convainques le clan qui a gagné, qui va gagner, suffisamment pour que ça soit chez toi l'année prochaine. C'est beaucoup plus facile. Donc là, techniquement, si t'as la grue avec toi, voilà, si c'est un la grue, bon bah voilà. Si tu sais pas la grue, mais que la grue peut influencer l'autre clan, c'est aussi un avantage. Après... Enfin, tu vois, c'est comment... Après, il faut voir ça. Après, si c'est le clan de l'araignée, t'as peut-être plus de facilité. Le clan de la menthe aussi. Après, voir, quoi. Donc, clairement, là, à moins d'avoir un devin parmi nous, on sait pas du tout qui va gagner le tournoi. Peut-être que ce sera Bayushi. En mode badass, Nodashi commence à tataner. Yushi, c'est toujours pas un pur combattant. Hein. Ils sont fous. Bah, si ça tombe bien au niveau des. Ouais, alors quand t'auras ton rang 5, je suis pas d'accord. Je me rappelle plus que c'est mon rang 5. Eh ben, ouais. C'est. Tu lances. Tu ajoutes à ton. À tes dés de combat. Ta compétence. Intimidation. En dés, lancé. Ah! Ouais, c'est ça. C'est peut-être une seule fois par tour ou peut-être une seule fois par scène, je sais plus. Mais en gros, ça te fait quand même une attaque. Alors, t'as pas beaucoup de toi en intimidation, tu dois avoir 3 ou 4, je crois. Ouais, 3. Mémoire. Ça fait 3D en plus, quoi. Ça fait 3D en plus, mais si tu l'avais à 5 ou à 7, intimidation, ouais. Ça explose les 10. Je vais monter intimidation la prochaine fois là, parce que. Le magistrat fout l'intimidation. Bah c'est la compétence de son école. Hein. C'est clairement la compétence de son école, l'intimidation.
mais il est fait pour intimider les émimes, etc. Quoi. Ah voilà, donc du coup, Shinjo, ouais, c'est table, vrai, du coup, un jeu, quoi. Ouais, après avoir proposé le pour et le contre, et ben, ok, ben, je lui dis, je... Je suis tout à fait d'accord, Shinjo Izanagi Dono. Au moins, je vois que le courage est une des vertus du Bushido que vous respectez, je Siam. Du coup, il a l'aval du clan de la licorne pour... D'accord. Ouais, bah évidemment, la valeur qui manque pour lui à ses yeux dans les actions de Shinjo Zia, c'est le devoir, quoi. C'est beaucoup. Mais elle y travaille, hein. Elle propose un truc pour le clan, là, quand même. Oui. Il faut que ça réussisse. Enfin, y a quand même un petit côté qu'elle travaille pour sauver sa gueule, hein, mais... Légèrement. Rien n'empêche l'autre. Autant joindre l'utile à l'agréable. C'est ça. Bayushi, tu fais quoi? Donc toi, Bayushi, ton ambassadrice t'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Est-ce que du coup, Bayushi, il cherche à voir alors, le... Juste savoir s'il y a moyen de demander par contre pour le rang 5, ou si ça sera une scène à part que tu voudras jouer plus tard. Alors la question c'est, est-ce que toi tu lui demandes à elle si tu veux parler au nom du clan du Scorpion à la cour, ou est-ce que tu veux juste lui demander l'autorisation de parler en tant que toi tout seul? Et si tu veux parler du... Tu sais, y a pas de soucis non plus. Je lui demande si elle souhaite que je parle au nom du clan ou pas, en fait, tout simplement. Comme ça, je lui laisse l'option, et si elle veut pas... Tu as dit que tu voulais... En échange, voulais, mais du coup... Alors, si vous parlez, Bayushi Takayashi-sama, si vous parlez au nom du clan du Scorpion, pour qui voterez-vous? Quel est votre choix? Ah, oui. En fait, c'est con, parce que si je voulais une faveur, ça sert à rien de parler au nom du clan, c'est le clan qui gagne la faveur. Bah, tu peux parler pour les deux. Mm. Tu peux dire, moi-même, Bayushi machin, et le clan du Scorpion, sommes fiers de porter notre soutien, machin truc, voilà. Con. Je peux présenter les deux s'ils sont différents? Oui. Bah, tu le diras pas comme ça, mais oui, tu peux présenter les deux... Présenter les deux fait que c'est toi qui prends le, on va dire, le rôle politique à la cour du clan du Scorpion. Donc ça veut plutôt dire que c'est que toi tu veux te mettre en avant. Donc du coup, dans ce cas-là, il n'est pas impossible qu'elle refuse. Ok, bah non, donc dans ce cas, je propose pas de parler au nom du clan en fait. Mais moi je. Non, ça, je reviens dessus là-dessus. J'avais pas capté que c'était ça en fait. C'est pas trop le but de Bayushi de se mettre en avant sur des trucs politiques comme ça, du coup. Tu parles du chef de la magistrature en Ivoire? Ouais, mais c'est pas pareil. Dans la logique de Bayushi, c'est pas pareil. Ah, d'accord. La magistrature d'Ivoire, c'est aussi. Enfin, c'est pas pour mon perso, mais c'est aussi pour protéger les gens qui sont pas samouraïs. Rika, tu lui dis quoi, ton ambassadrice? À titre personnel, je souhaite soutenir Utaku Kimiono de la grue. Tu mens, du coup ? Non. Excuse-moi. Pas la bonne ligne. Ça me fait bugger à chaque fois que je repasse sur cette ligne, du coup, j'ai... Mais je l'ai changé, non ? Ouais, c'est changé maintenant. Oh, rafraîchis la page. J'avais pas fait F5. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est mieux. Et du coup... Très bien, Je pense que cela leur impression que j'en ai après leur clan et permettra d'obtenir une faveur qui pourrait être utile. Bah, elle te dit que le clan du Scorpion va quant à lui voter pour le candidat du clan du Crabe. Fort bien. Ouais. Sensei, quoi. Bayushi. C'est elle, Ayaka, du coup ? Oui. Ayaka-sama, je souhaitais savoir s'il y avait dans les colonies un sensei apte à m'apprendre la cinquième voie de mon école. Certainement. Soshi, je sais plus comment, Sama, probablement posé à vous aider dans cette... études.
C'est la même que... Ouais, que d'habitude. Bien. C'est rien. Tu veux dire celle qui m'a fait faire une compète à qui choperait le plus de gens sur un bateau et qui fait ouais. que j'ai appris qu'un bateau ça brûlait vachement vite. Ouais. Je suis entouré de gens psychotiques. Ouais. En même temps, t'es scorpion. Hein. Ouais, enfin, c'est Soro Dushinayu surtout qui a foutu le feu au bateau. Faut pas l'oublier. Oui, voilà. Donc. Bah elle te dit en fait bah que on verra des courriers. Il est évident que la vous allez en avoir besoin avec vos activités de magistrature. C'est en effet l'impression que j'ai. Bayayushi Ayakasama. Bon bah du coup, vous allez tous les trois me faire un jet de courtisan. Ouais. Et chaque augmentation que vous prenez est un bonus pour pour la candidature de. Alors courtisan. Alors courtisan. Je vous donne les pronostics vite fait. Quand les deux finalistes, ça va être le crabe et la grue. Automatiquement, vous portez Shinjo et Yakodo, vous apportez 2 points. Parce que vous parlez au nom de vos clans, donc les clans okay. apportent automatiquement 1 point. Et votre jet définit si votre soutien apporte des points ou pas. Le clan de la grue, bah, il vote pour lui, donc il a 3. Le clan. Donc ça fait déjà 3 points. Ensuite, le clan du crabe, bah, il vote pour lui, il a 1 point. Le clan du scorpion vote pour lui, il a 1 point. Deux. Le scorpion il vote pour le crabe, non? Ouais, ça fait 2. Le scorpion et le crabe votent pour le crabe. Ensuite, du coup, les dragons vont voter pour les crabes. Ça va faire 3. Crah, les vendus. Les phénix vont voter pour les grues. Logique, voilà. Donc ça fait 4 pour les grues. Et 3 pour les crabes. Ouais, je vois pas en quoi c'est logique, mais bon, ouais. Ils sont associés contre moi, du coup, et comme ils ont pas réussi, ils se sentent un peu redevables ou pas de la gueule. Ah, ils valent une protection en fait. Et puis de toute façon, les phénix sont aussi historiquement des alliés de la grue depuis de longue date. En général. Le clan de l'araignée. Qui va soutenir Un impérial, c'est Punto Rico. Non, le clan de l'araignée va plutôt s'exprimer pour venir, je pense, un crabe. Le crabe, ça me semble déconnant sur certains aspects. Les crabes détestent tellement les araignées. Les araignées vaut pas grand chose. Peut-être plus un demi-point qu'autre chose, quoi. Ce qui ferait 3,5 à 4. Qu'est-ce que j'ai oublié? Les mantes. Les mantes, ils vont voter pour les crabes. Hein. Deux candidats? Il n'y a pas un troisième aussi qui pourrait... Non, là, c'est les finalistes. C'est les finalistes, ah, okay. En fait. C'est les finalistes. Très rapidement, les autres sont abandonnés, en fait. Il y a cette espèce de ronde pour éliminer les candidats, quoi. On va dire... Tac-tac... Après, évidemment, bah, la gouverneure, on va dire qu'on va considérer qu'elle vote pas. Ça fera plus simple. Il y a un clan. Je crois pas. L'elbe, non, la licorne et le lion, c'est vous. Scorpion, c'est fait. La menthe, c'est fait. Crabe, c'est fait. Les dragons aussi. Où on est bon. Donc, en fait, le crabe. Gagne 5,5 à 4. Donc. Mais il y a un problème, enfin il y a un truc bizarre dans ton calcul. Nous ne comptons pas en fait, c'est ça, on n'est pas. Bah, pour l'instant. Non, pour l'instant. Et donc vous avez la possibilité de rajouter 3 points au clan de la grue. Voilà. Ah là, donc si nous on vote. C'est le moment d'aller négocier quoi. Bah non, c'est le moment de faire vos jets, et si vos jets sont bons, bah vous allez... En gros,
tac tac, comment dire, je pense que soit je vous fais faire un jet uniquement avec un ND fort, c'est peut-être plus facile, genre je vous donne un ND 40, et si vous réussissez à faire ça, ben derrière vous attribuez le point. Ce qui veut dire que pour que le clan de la grue gagne, il en faut au moins 2 qui réussissent. Moi je vais soutenir la grue. Donc c'est chaque succès donne une réussite, c'est ça? En plus, chaque succès donne une... Alors, c'est ouais. Soit je fais un succès par personne, et donc du coup, je vous donne 42 ND, et voilà, vous passez 40, vous donnez un point supplémentaire, donc si deux d'entre vous donnent ça, ça suffit, ils gagnent. Par contre, s'il n'y en a qu'un seul, bah, les grues perdent, donc c'est le... C'est pas le candidat grue, c'est le candidat crabe qui part. Soit je vous le fais. Je crois. Ouais, mais l'autre me s'y est pas en fait comme approche. Soit je peux être plus méchant et je dis c'est 40, mais c'est les augmentations qui donnent des bonus. Mais là, c'est sec quand même. Mais éventuellement, ça permet à quelqu'un de prendre deux augmentations et d'assurer la victoire à lui tout seul. Ouais, il faut battre quand même les 50 après. Hein. Oui, c'est ça. Bah, faut y aller. Hein. Avec 8G5, j'ai à peine réussi à faire au-dessus de 27, alors. Avec le point de vide, c'est que 6G4. Hein. Après, comment dire. Après, si vous voulez essayer de faire changer d'avis un des clans, etc., vous pouvez. Vous pouvez aller discuter et essayer de faire changer d'avis. Par exemple, si vous faites changer d'avis le clan de l'araignée. Bah du coup, il suffit que un seul de vous trois passe. Mais est-ce qu'on peut pas les faire changer d'avis après, comme ça on voit nos résultats du Ah, coup, si vous voulez, si vous voulez. Parce que comme ça, du coup, ça évite si déjà de perdre du temps. Et puis, on voit direct, voilà, s'il nous manque une voix, bon, quel clan on va viser, et basta. Sachant que techniquement, c'est Shinjo qui a le plus à perdre, là, donc... J'ai pas le plus à perdre, quoi, après, bon... Ouais, c'est... Paul prendrait une charge supplémentaire, quoi. Allez-y, faites vos jets, hein, du coup, courtisan, intuition, classique. Tu peux me donner mes bonus, du coup. Eh ben, du coup, alors, moi, je considère que la faveur que t'as pris pour l'instant, elle est que pour parler au nom du clan, hein. Il t'a pas fait le... T'as les bonus de ta femme, mais c'est tout. Je lui demande s'il peut... je lui dis, hein, je suis habituellement un soldat et je sais pas la manière que vous avez en tant que courtisan. Si vous aviez des conseils afin de me permettre de m'exprimer aussi distinctement et aussi impressionnamment qu'un Ikoma, ça me serait pratique. Ikoma-sama. Tu comptes sur une histoire d'Ikoma pour améliorer ton jet? Ouais, bah, c'est son école. Il va te répondre que... Ikoma-kaza-bruzu. La victoire n'est que meilleure quand on la gagne sans... dans la difficulté. Kodoichi-sama. C'est ce qui a été le cas lors de la bataille qui m'a opposé aux grues, et justement j'aimerais que par là nous puissions faire en sorte aussi que le clan que l'animosité qui m'a associé au clan de la grue puisse passer, et je n'aimerais pas, on va dire, faire une erreur d'étiquette et ranimer la flamme entre moi et le clan de la grue. Si je dis ouais, on va prendre celle-là parce qu'elle est, elle sert à rien, Vous ne rallumerez pas la flamme du conflit entre vous et la grue. Vous passerez juste pour quelqu'un de ridicule, à Kodoichi-sama. Bien. Bah écoutez, je vais voir si je suis aussi capable sur un champ, on va dire sur une cour, que sur un champ de bataille, en espérant que... Ikoma Kasaruzu sent franchement de l'alcool. Ah ouais, d'accord. Ok. Eh ben, t'es venu le voir, t'as dit que t'allais parler à son clan, il a fait « Ok, d'accord, ça, vas-y, fais, moi je vais me brûler la gueule. »
D'accord. Ok, ah, je le remercie. Coup, ça, on il a... pourra toujours dire qu'il n'a pas entendu ce que tu as dit après. Ouais. Bon, on a quand même un plus 5. Donc moi j'ai un plus 5 et au niveau des statuts, on les additionne ou pas? Non. Okay. Non. Votre statut vous permet de jouer dans la cour des grands, c'est tout. Et que ça soit crédible ce que vous allez faire, c'est tout. Hein. Ah merde, je mets pas de S, hein, parce que c'est pas une, bah, une spécialité. Bah... T'as pas de spécialité? Non. Moi je prends... Mais du coup ça sert à quelque chose de okay. prendre les augmentations ou pas? J'arrive pas sur... Non, ça sert à rien, t'en mordes pas. Ça sert à rien, là certains, faut déjà réussir hein, le G1. Hein. Bon, c'est quand même 40 de seuil. Hein. Histoire de sauver le cul de Shinjo encore une fois. J'écrame un point de vie aussi. 62. Oui, moi aussi. Ah putain, 62. Ça va. Vide. Et tu regardes un point de vide. 10. 30. Bon, bah, j'ai pas le même niveau. Ouais, mais attends, j'ai fait 4-10 là. Ah la vache, je l'ai, GG. Hein. Eh bah, c'est joli. Bon, un gagnant, le clan de la grue envoie sa jeune courtisane Doji Anae. Dans des contrées lointaines. Ah bah si, on est content. Non, c'est juste que j'étais en train de réfléchir à une phrase qu'on pourrait lui dire du style. T'as pas entendu, t'as pas entendu, j'ai lancé derrière l'ordinateur là. Bah, on félicite la nouvelle ambassadrice pour son nom. Ouais. Ok, très bien. Bon bah, on passe à la suite, hein, parce que du coup, ouais. Le retake de la cour, voilà. Donc, dans les jours qui suivent, Shinjo va retourner chez elle. Vous avez eu tous les trois vos missions différentes, distinctes par rapport à l'avenir des colonies. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc pour rappel, donc à Kodo, tu dois te renseigner sur l'art les stratégies guerre. Militaires, etc. du royaume d'Ivoire. Shinjo Zia, tu dois organiser des patrouilles pour ouais. protéger l'approvisionnement des colons qui sont un peu éloignés de la civilisation, et Yushi, de ton côté, tu dois réfléchir à une approche, on va dire, idéologique, à plus long terme, pour essayer d'intégrer les divinités à la population de l'Empire. Tout à fait. Et donc, Shinjo Zia était parti à son village le jour suivant, donc la question c'est, est-ce que vous l'avez accompagné ou pas jusqu'à son village. Moi, je lui ai proposé de faire escorte si elle avait besoin. Moi, je lui propose de l'accompagner afin de voir dans quelle mesure la magistrature pourrait l'aider avec la situation que va entraîner cette nouvelle affectation. Donc, bah, dans tous les cas, quelques jours plus tard, vous arrivez donc à. Oh putain, c'est grand. C'est où j'habite déjà. Eh oui, ça a beaucoup grossi depuis la dernière fois que tu es venu. Est-ce que tu as mis sur le plan les endroits... Il n'y a pas de dés à hangar, je pense. Si, j'ai mis des hangars un petit peu partout. Enfin, j'ai mis que les bâtiments. Le seul que j'ai précisé, en fait, c'est le hangar de Hide Uchi. Non, mais, des fois que je vais y mettre le feu un soir. Oui, non, mais je veux dire, il y a une faute d'orthographe à hangar. Dans le set. Oh là là. Pas de dés. Bon. Wow. Ah, c'est pas un dieu scandinave? Ah, peut-être. Mais, bon, dans tous les cas, passons ce détail. Non, c'est les infrastructures du tournoi qui sont pas, en fait, que je vois pas. Ouais, parce que je l'ai fait pour le... En fait, des fois, tu veux garder le plan pour d'autres trucs, du coup, quoi, je l'ai pas mis les trucs dessus. Mais en fait, c'est simple, hein, pour le plan, en fait, t'as en face de ma maison, le grand carré vert, quoi. Là où il y a le truc comme ça, je pensais mettre dedans en fait les structures quoi. Comme c'est un grand champ clôturé, c'est plus sympa quoi. Alors deux. Dans l'enclos. Ah, d'accord. Ok, ouais. Parce que du coup dans le village entre les champs et les tentes et tout le bordel, c'est un peu le foutoir quoi. Je me suis dit, ah, ça peut être un coin sympa là. Sinon, à côté de là où il y a le hangar de Hideuchi, tu crées une nouvelle zone dans la ville en fait. Ouais, pourquoi pas. Bah si, bon. Ouais, si mon plan marche visant à laisser les structures sur place, ouais, ça peut être sympa. Dans tous les cas, donc tu arrives donc à ta ville, village qui est presque une ville.
Il y a pas mal, donc comme je disais la dernière fois, donc les blessés, etc., etc. Il y a pas mal de population. Tu ne reconnais plus, hein, le... Ouais, je reconnais que la route, en fait, quoi. Ouais, 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 bah ouais, parce qu'il y a... Il y a de la civilisation bien 200 mètres avant, avant ta maison, quoi. Alors qu'avant, elle avait que ta maison. Bah du coup, ouais, Shinjo est gravement surpris. Mais elle le montre pas, bien sûr. Bah pareil pour les autres, parce que vous, ça fait encore plus longtemps que vous n'êtes pas venu. Ah oui, clairement. Quelques mois, voire presque année. Donc voilà. Vous allez voir bah, dans la ville pas mal de soldats licornes qui patrouillent, à cheval évidemment. Notamment, notamment une jeune fille, hein, qui est jeune encore très très jeune. La fille de Shinjo. Tout à fait. On est déjà là ? Bon, ça se voit pas, mais Shinjo est là. Oh, c'est tout mimi. Ils apprenaient. Eh ben, ils étaient pas encore en train d'apprendre à marcher, là ? Non, tu rigoles. Ils auraient presque pu passer leur Gepoku la fois dernière. Oui, ils vont la passer cette année ? Dans les faits, ils étaient beaucoup trop jeunes l'année dernière pour l'avoir, hein, ça c'est sûr. Cette année aussi, d'ailleurs, hein, ils sont encore trop jeunes. Mais ils ont je pense, 5-6 ans, là. 5 ans, on va dire. Donc, c'est beaucoup trop jeune, hein, qu'on soit d'accord. Hein. C'est à 13 ans normalement. Ouais, c'est par là. Mais après, 13 et 15. Après pour des personnes des très très hautes VIP, voilà le fils du démyo de clan donc qui vient de mourir, bon, on va lui donner son genpuku quoi, en gros. Le mec il a eu 25 sensei dans sa vie, voilà donc il apprend très très vite. Elle c'était organisatrice l'année dernière. Présenter ses enfants. Ses enfants ont été inscrits au tournoi uniquement pour remplir les cases. Parce qu'il y avait des équipes qui n'étaient pas complètes. Et ça, c'est juste pour ça. Et du coup, elle a pris ses gamins. Maintenant, ses deux enfants, y a sa fille qui est ici et son fils qui est de l'autre côté de l'océan. Du coup, c'est pas très très pratique, quoi. Donc là, cette année, non. Mais. Bon bah du coup je guide tout le monde vers là où il est censé se trouver ma maison, à moins qu'elle ait changé de place. Non, elle est là. Donc on va pas rejouer ce que t'as fait la semaine dernière, mais du coup évidemment ta fille vient de parler, etc. Ton sensei aussi du coup, Otaku Kimli. En fait tu parlais à Kodo, enfin à Captain Red qui était plus là. Ouais, ça a planté chez moi le TS. Ah. D'accord. Heureux tout le monde. Désolé. Quoi du coup? J'ai dit quoi? Ouais, bon, tu parlais du Genpuku et des enfants quoi. Ah, oui, bah du coup les enfants ont été là parce que tu étais l'organisatrice en fait et qu'il y avait des trous dans les équipes et qu'il fallait les remplir quoi. Officiellement voilà, ils auraient pas dû y participer mais a laissé faire parce qu'on avait besoin de combler des équipes. Ils ont pas eu leur gain beaucoup et personne ne leur tient rigueur de pas l'avoir eu parce qu'ils étaient vraiment... Dans tous les cas, oui, sa fille a quand même pas mal progressé. Elle est une version vraiment réduite d'une samouraï otaku. Beaucoup plus proche de son sensei que de sa mère, en fait, dans les attitudes. Vous noterez qu'elle a pas de bleu, elle. Elle doit être meilleure. De bleu. Pourquoi t'as des bleus, toi? Non, mais moi j'ai failli mourir en passant mes rangs la fois dernière. Là. Ouais, mais elle est pas encore au point d'apprendre son rang. Hein. Ouais, ta fille, elle s'amuse avec un boken sur un canasson. Hein. Bref, dans tous les cas, vous arrivez donc à la demeure de Shinjo. Là, vous trouvez son mari et son carreau. Ils sont en train de discuter, le carreau est évidemment crevé, hein, très occupé en ces temps-ci. Le mari de Shinjo explique la situation, qu'il y a eu des attaques et que son village reçoit très souvent des blessés. Que ces blessés sont soignés,
que ils sont obligés bah, de bien entretenir les stocks de bandages et autres soins, etc. Il y a village est compliqué. Au milieu de tout ça, bah, vous avez les constructions qui sont en train de se faire dans la ville pour accueillir le lieu dans un mois. Hein. Donc les constructions sont déjà là même. Hein. Ah, c'est déjà dans un mois. Eh oui, en hiver. Parce que c'était plus loin. Et en fait, le tournoi a été retardé, puisque officiellement, il aurait dû avoir lieu le premier jour de l'hiver, donc quand vous étiez encore dans le fort. Comme bah, c'était un peu le bordel, le carreau de Zia, donc Mai, qui est l'organisateur officiel cette année, a décidé de retarder histoire que le clan de la grue, le clan de la licorne et le clan du lion puissent y participer. Il te demande de l'histoire à propos de Hideyuchi. Te répondre ah bah, que je lui dis il est résigné à résidence. Il est chez lui. Je me demande si j'ai le droit de dire à Kodo Ichi, le marchand qui vous a livré des marchandises interdites, se trouve non, chez moi. Ah. Il est présent. Donc, je me demande si ce serait bien des questions que tu voulais poser à Bayushi. Oui. Okay. Ça serait bien de les poser maintenant en fait. Ouais, genre, trajet. Irréparable. Alors, si tu peux formuler les questions de façon un poil plus courte, ce serait bien. C'était un peu des longs paragraphes, Durne. Ouais. Ouais, bah j'ai mis un peu en fait, en de donner des explications sur le forum. Après, c'est bien d'avoir voulu expliquer le pourquoi de cette question. Hein. C'est intéressant d'avoir les contextes. C'était pour Obi à la base, donc voilà. Donc, la première question concernant Hideyuchi que j'avais marqué sur le forum. Bayushi Takayushi-sama, j'aimerais vous poser une question qui me tient particulièrement à cœur. Je vous écoute, Shinjo-sama. Hideyuchi-sama a clairement outrepassé un accord que j'ai passé avec lui. Il a clairement fait livrer des marchandises illégales bafouant mon honneur, par la même occasion. J'aimerais savoir, bah, Shisama, si je suis en droit de. Moi, je refais un sanctuaire pour avoir la. Bah, de le tuer, quoi. Pour l'affront qu'il m'a fait. S'il s'agit juste d'un affront, je pense qu'un duel pourra résoudre le problème. Cela dit, il est riche et il n'aura pas de mal à avoir un combattant des plus aisés, enfin des plus compétents à sa botte. Cela dit, de quels objets illégaux parlons-nous ? Ouais, mais c'est vrai que s'il a fait un commerce d'un objet illégal, préférence, il s'agit d'un objet illégal qui porte atteinte à l'honneur de l'Empire. Il n'y a en effet aucun problème à le condamner pour ça. Ah, bah, je sais que ça m'a, il s'agit de la poudre Gaijin. Fait du trafic de poudre Gaijin? Oui. Pouvez-vous me le présenter, s'il vous plaît? Mais... Je pense que son jugement ne devrait pas tarder. Mais bien sûr. Je demande à mon époux où c'est que se trouve exactement le monsieur. Ouais, bah il te le... Bah après, je te rappelle que t'avais d'autres questions, hein, mais... Ouais, mais j'ai tenu encore de route. Ok, bah... Ouais, il y avait donc... mais ça, c'est... Obi y avait répondu, mais je te les pose quand même, hein. Concernant les blessés et les caravanes. Ouais, ça, à la limite, je considère que tu le sais, en fait. Hein. Je t'ai répondu, c'est que tu le sais. Hein. Ok, alors attends, il y avait quoi d'autre? Trois. T'avais la sécurité du village et ah oui, bah pour les Ashitaru, ouais. Hideyuchi, une fois qu'il aurait eu un accident de corde. Ouais. Donc, bah, j'étais Koshitama, mes connaissances en... En droit rokkani, ils ne sont pas aussi élevés que les autres. J'aimerais savoir si je suis en droit de lever une armée d'Ashigaru pour la protection du village et de ses habitants. Vous êtes gouverneur de ce village. Il est de votre responsabilité d'assurer la sécurité de vos concitoyens. Pas de vos... Oui.
fédérés, bref, des habitants de votre village. Il n'y a aucun problème à ce que vous leviez une armée, je pense. Bon. Cela dit, faites attention, comme Kodo-sama a pu le remarquer, lever une armée coûte cher en hommes et en matériaux. En matériel. Oui, soit tu ne vais me considérer que. Enfin, je ne compte lever que quelques paysans histoire d'assurer une petite sécurité dans le village. Pensez-vous que des paysans soient suffisants pour protéger le village? Bah, il me semble que les Ashikaru, c'est des paysans, non, à la base, Obi? Oui. Ouais, ouais. Non, c'est le joueur qui. Bah, du coup, je vais pas poser la question, mais. Oui, d'autant que s'ils sont habitants du village, ils auront à cœur de le protéger au mieux. Aucun problème. Il n'y a aucun problème à ce que votre village soit protégé. Okay. Ushitaka concernant le devenir de Hideyoshi-sama. Étant donné que j'avais passé un marché avec lui, donc je suis en droit de payer ses impôts. Si jamais il venait à mourir, que deviendrait-il de ses affaires? Il irait à ses héritiers ou au clan, suivant le cas où il n'aurait pas d'héritier. Comme si vous veniez à mourir, ce que je ne vous souhaite pas, évidemment, Shinjo-sama, vos possessions reviendraient à votre mari ou au clan, suivant la décision de votre clan. Si il fait des trafics illicites, il est possible qu'il ait des possessions dont le clan ne... n'est pas connaissance, et dans ces cas-là, je pense que ceci serait perdu. Je doute que le clan ait les informations nécessaires pour récupérer ses moyens et ses matériaux, et voir les intentions de le récupérer, évidemment. Un clan ne baisserait jamais à des activités telles que le trafic de poudre gachin. Ok. Si vous aviez un partenariat, le clan acceptera, enfin... vous proposera d'en reprendre la gestion, mais je crains malheureusement que ce soit pas forcément. Quoique non, je sais pas ce qui se passe entre elle et son clan, donc. Mais cela demande à ce que vous ayez de puissants appuis et du clan qui souhaite vous soutenir dans cette démarche, je suppose. Après tout, au sein des clans, il peut se passer beaucoup de choses, et puis si vous êtes déjà partenaire, vous avez peut-être des connaissances sur ces affaires qui pourraient rendre ça plus efficace pour le clan. Mais cela reste dépendant de la politique de votre clan, évidemment. Ushitaka-sama, ma dernière question concerne plus un conseil de votre part. Vous avez l'esprit avisé. Les fortunes m'ont guidé. La fortune de la rue, s'entend. La fortune de la fourberie serait plus juste. C'est AMJ dont on parle. Ça me fait rire. Hideyoshi-sama a clairement nuit à mon honneur, quoi. Suis-je en droit de pouvoir penser que notre marché est caduque à partir du moment où il a ouvertement transporté des marchandises illégales? Attends, j'interroge les fortunes. C'est quoi la question? Alors, étant donné qu'il a... est-ce qu'il a... utiliser ce marché pour faire du trafic produits illégaux, est-ce que du coup ça rend le marché caduque? Je veux non. Vas-y, tu veux transporter non. Que de la nourriture. Bah certes, mais il l'a fait. Donc ça il l'a tenu. Le plus... Je dirais que le plus n'a pas forcément annulé le reste, quoi. Ouais. A-t-il fait... Il a tenu sa parole, quoi. Il a tenu sa parole. Le commerce que vous aviez attendu de lui, en plus de ses commerces. Tout à fait. Alors je crains que malheureusement il n'ait tenu sa part du marché, même si il s'est permis de l'outrepasser produit transmis. Très bien, je vous remercie. Je suis désolé de ne pas avoir de meilleures informations. Non, mais elles sont. De remarquables conseils, Ushitaka-sama. Je vous remercie beaucoup. Je fais ce que je peux pour aider mes amis, malheureusement ce n'est pas toujours possible de faire autant que l'on souhaiterait. Si jugement il y a, peut-être acceptera-t-il de renégocier
afin de sauver sa peau, tu veux dire. Non. Ah ouais, ce serait bien, mais... Bon, après, pour la poudre Gaijin, je pense que c'est la pendaison obligatoire, non? Donc là, on peut voir ça comme ça, ouais. Je pense qu'il y a moyen de s'arranger. Mais alors, je suis désolé pour toi, mais c'est pas trop le style de la magistrature, en fait. Donc du coup, ben, je t'amène sur place, quoi. Que justice soit faite, hein. Le chez lui, en train de décrire le courrier, etc. Beaucoup. Donc, on demande audience. C'est lui comme ça. Et il parle comme un canard, non? Mais, bah, du coup, bah, il vous fait rentrer, il vous installe. Bah, Yoshida Kagashi-sama. Toi, t'es là? Ouais, ouais, je suis là. Il te dit, il te salue aussi à Kagashi-sama. Installez-vous. C'est quoi son nom, un machin, Hideyoshi? C'est Hideyoshi, ouais. Hideyoshi, d'accord. Hideyoshi-sama. Écoutez, etc. Hein, Je suis enchanté de faire votre connaissance. J'ai entendu parler de marchandises. J'ai entendu parler de votre succès dans votre commerce, enfin dans vos commerces, Hideyoshi-sama. Rendu ce village florissant. Et n'avait apparemment que tirer les justes profits de votre travail. Je me demandais dans quelle marchandise vous spécialisez-vous? Bah un peu tout. Justement. Comme qu'il vient de dire. Parce que... Manufacturé. D'accord. Assurément. N'ai jamais joué avec personnellement, mais on m'a dit qu'en effet, la poudre Gaijin n'était pas un produit naturel. Hideyoshi-sama. Oui. Et qu'en est-il de celle qu'on a trouvée dans vos livraisons de vivres? On ne comprend pas très bien Yoshi Takayoshi-sama. La musique, parce que j'entends pas à moitié de ce que tu dis. Répète. On ne comprend pas de ce. Vous êtes bah, Yoshi Takayoshi-sama. Eh bien, on m'a tenu au courant du fait que des barils de poudre Gaijin ont été trouvés dans les livraisons que vous avez effectuées ces derniers mois. Je crains que si, Hideyoshi-sama. Je suis aujourd'hui obligé de vous accuser de cette matière qui est interdite par l'impératrice. L'impératrice de nous. Je reconnais que c'est interdit, mais en rien je me traficote dans ce genre de produits. Je suis un honnête marchand, clan de la licorne, pour me reprocher. Il m'étonne ou pas quand il dit ça? Enfin, le joueur c'est cuit, mais pour le personnage. Un score énorme Un marchand, il y aura. Forcément... Ouais, c'est un idée, donc il est quand même courtisan, il va pas avoir un score dégueu, mais. DG2, il y a 50, je te rappelle. Il a l'air sincère. Pour le coup, tu peux le faire RP, moi ça me dérange pas. Hein, si tu... Alors, est-ce à dire que vous ne maîtrisez pas ce qui se passe avec vos transports alors? Beaucoup de gens font appel à beaucoup de personnes et je ne peux être sûr de leur loyauté par de quelques coucous. C'est beaucoup moins stable que des clans. Cette poudre Gaijin. Alors, ça, c'est le joueur qui demande. La poudre Gaijin a été trouvée dans un seul transport ou dans plusieurs? Dans tous les transports. Et du coup, ça fait partie d'infos que vous m'avez transmises ou pas? Oui, oui. Moi, je l'avais pas encore transmise. Elle était juste transmise à Shinjo et à Kitsune Hideko.
parce que j'ai fait en sorte de détruire la poudre. Détruire la poudre, quelque part, c'était ton obligation morale, donc... Oui, non, mais voilà, tout seul, mais après, j'allais pas ébruiter plus que ça l'affaire, c'est ça. Cela dit, Hideo Shisama, un transport dont le contenu est modifié, c'est une chose. Ça peut être le fait d'un homme d'une confiance moindre qui profite d'une occasion. Mais tous les contenus qui sont agrémentés d'un baril de poudre Gaijin, cela fait partie d'un trafic régulier et actif. Et cela devient compliqué à cacher sur le long terme, à moins que vous ne fermiez les yeux. J'ai tout ouais, ouais. Ma dernière phrase. Non, du tout. Non, bah, j'attends la réponse de Shinjo. Ah, c'est à moi de répondre. Moi, je pensais que c'était plus à Hideyoshi que je parlais, mais... Moi aussi, j'entends les... Après, ça dit Shinjo, si tu veux en rajouter pour l'enfoncer, fais-toi plaisir. Ah, bah, du coup, attends, si tu parlais à Hideyoshi... moi, je pensais que tu parlais à Shinjo, en fait, mais... Non, c'est... Et c'était quoi ta dernière phrase, du coup? C'était un truc du genre Hideyoshi-sama, un transport dont la cargaison est transformée, c'est une chose. C'est une personne malhonnête, mais tous les transports dont la cargaison est transformée, cela commence à demander soit de la bienveillance, soit un manque de suivi de votre part. Parce que ça fait partie d'un trafic actif et de longue durée. Je peux vous garantir, Bayushi Takayoshi-sama, que en rien je ne trafique. Mon commerce permet de vendre ce genre de produit. Et si cette ressource est arrivée dans le campement d'Akodo Echi Kodo Echi Ma, désolé, mais que c'est pas de mon fait. C'est probablement le fait de personnes qui ont livré des biens. Bon, je n'aime pas être accusé chez moi des faits qui me sont faux. Je laisse un moment de silence en le regardant droit dans les yeux. Je suis de l'école d'intimidation. Oui. Est-ce que votre défense est ces gens-là n'ont pas assez. Ces gens-là mentent et il n'y avait pas de poudre Gaijin dans mes transports? Oui. Souhaitez-vous vraiment jurer sur votre honneur ne pas avoir eu de poudre Gaijin dans ces transports et que ces gens ont menti? Ils ont menti, mais je dis que le poivre Gaijin n'était pas dans les transports parce qu'il est parti de ma boutique et de mes entrepôts. Laisse-moi laisser la main pour qu'il prenne le contrôle de la conversation. Réagissez, hein, vous êtes là, hein, si vous avez envie d'agir, faites-le, hein, je veux dire. Vous ne laissez pas forcément tout faire à la magistrature. Hein. Non, je sais bien, mais là, c'est pas un angle d'approche. Bah toi, Akodo, t'es encore plus impliqué aussi dans l'histoire, hein, parce que... Quel individu aurait, selon vous, parmi vos relations, avoir pu trafiquer ce chargement et avoir eu accès à ce genre de produits illicites? Les seules personnes... accès à ce genre de produits, aucune idée, c'est pas quelque chose qu'on trouve facilement, je suppose. J'avais assigné mes meilleurs transporteurs pour assurer la livraison dans les montagnes de votre fort, à Akodo Echi-sama, et ils en ont payé le prix fort, puisque quand la grue les a trouvés, si c'est vrai, ils ont été pendus devant votre fort. Dans ma tête, je suis en train de me dire, les deux, elles vont vite. Hein. Oui, nous avons eu la désagréable surprise. Ils ont pu regarder ce méprisant spectacle. Sachez que les personnes qui ont commis cet acte sont mortes. Par ma main, entre autres. Ta main, ouais, surtout. Le mec, il est à moitié mort. Lui, il le sait pas, non.
Oui, c'est pas le détail. Certes, certes. C'est un peu de l'intimidation. Je ne sais pas ce qui vous a fait croire que... Si vous pensez que je trafique dans ce genre de produits, je vous invite à visiter mes entrepôts et vous n'en trouverez pas de traces. Je fais confiance à la parole honnête d'un samouraï, comme je pense toujours que le samouraï est responsable des hommes qu'il a en dessous de lui. Donc, vous comprendrez que même si je veux accepter votre parole, je pars du principe, comme tout lion, que vos hommes vous ont obéi d'une telle loyauté que j'ai dans mon clan. Du coup, je cherche qui est responsable de cette situation. Bah, si tu dis cette phrase, pour moi, ça veut dire que la seconde d'après, tu l'as tranché en deux, le gars, non? C'est pas ça? Ou alors non. Tu exiges de lui réparation. J'exige de lui qu'il me trouve une solution plausible. Parce que clairement, je lui dis en gros, ok, je veux bien accepter qu'il est pas responsable, il n'y a pas de souci, mais on est d'accord que dans ma vision, il est responsable de ses hommes. Alors, soit il me trouve une solution, soit... Ouais, peut-être était-ce une stratégie du clan de la grue qui a décidé de vous garder cela, et puis comme ils pensaient gagner et rentrer dans le fort, ils auraient eu une preuve, ils auraient été témoins du fait que vous conserviez ce genre de produit, ou que vous avez utilisé ce genre de produit contre eux, qui aurait pu peut-être motiver plus de clans à se battre contre vous. Il est où Sama, je peux vous assurer que si les gros étaient dans le fort, Akoto Sama ne serait plus là pour être accusé de quoi que ce soit. Je pense surtout que si la grue avait eu du poivre, avait ouais. mis la main sur du poivre Gaijin dans une cargaison de vivres, elle ne se serait pas contentée de pendre les hommes que vous aviez envoyés avec cette cargaison. Elle aurait contacté le clan de Lyon pour qu'ils les soutiennent dans leur assaut. Et le clan du lion aurait accepté. Ça je suis d'accord. Diushisan. Le fait que la grue ait pu implanter ce genre de choses. Mais d'après ce que j'ai compris, les stratèges du clan de la grue n'étaient pas très expérimentés. Je vous serais gré de ne pas vous moquer des morts. La personne dont vous critiquez les compétences mérite bien plus que cela. Je l'en sans faille. J'ai une hypothèse. Idée où chez Sama. Il cherche à mourir. Clairement, vous êtes trop à l'accuser. Il vous dit non. Il vous dit non, quoi. Vous avez plus de statut que lui maintenant, donc du coup c'est un peu compliqué quoi. Mais, Ah, mais je veux qu'il se fasse. Moi je veux le faire vraiment dans les miquettes pour qu'on sache si il nous ment ou pas. Bah, en tout cas, il tient. Même avec l'affaire de Konitsu, il s'est pas laissé démonter encore. En même temps, faut être clair, la phrase je peux vous jurer que ma cargaison était parfaitement vierge de toute. De tout poivre gaijin au moment de la sortie de l'entrepôt et une phrase suffisamment ambiguë pour pouvoir dire ouais mais non c'est bon. Oui, il n'y avait rien au moment où c'est parti de l'entrepôt. Par contre les mecs se sont arrêtés à son entrepôt suivant et ont pris la poudre gaijin. Celui dont il ne parle pas parce que c'est un entrepôt secret. Mais vous avez parlé à Bayushi du fait que il avait demandé que tu gardes des choses. Parce que ça c'est incriminant. Non, il me semblait pas que je gardais des trucs. Mais il n'y avait pas un truc comme ça qu'il avait demandé un service Si, je me rappelle plus. Si c'est vrai, ça c'est vrai pour le coup. Il t'avait demandé à l'occasion quand t'avais négocié
quand tu avais négocié pour savoir si tu pouvais accepter une petite livraison, voilà, un peu interdite, quoi. Pas dit quoi, hein. Bah, il me semblait que j'avais dit tant que ça entache pas mon honneur, c'était bon. Enfin, il me semblait. Ouais, il y avait un truc comme ça, je crois. Du coup, ça veut dire qu'il était au courant qu'il allait avoir de la saloperie. Ben, tu demandes rarement un service, genre, tu peux réaccepter la boîte, mais sans regarder dedans, si tu sais pas qu'il y a un truc louche dans la boîte en question. Oui, ouais, je m'en rappelle, il avait dit, en gros, faire transiter, ouais. C'est-à-dire, je laisse des trucs là-bas, mais il va le garder, on va dire, parce que ça risque rien. Il avait dit, tant que c'est pas illégal, en gros, oui. Moi, mon perso, je sais pas, du coup, si vous voulez l'utiliser, utilisez-le vous, hein, enfin... Moi, mon perso, je sais pas non plus. Ouais, c'est Kodo et pas Kodo quand il est allé, je crois. Tu jouais comme Ashika ou un truc comme ça, non? Aucune idée. Ta game pour intervenir, mais. Ouais, Shinjo, y a que toi qui sais, hein, donc du coup. Je suis sûr que Shinjo le sait, mais. IJ aussi, ça m'a. On peut aller préciser la fois dernière, enfin, quand nous avons passé le marché, que vous faisiez transiter des marchandises par chez moi. Grandement profiter de mon influence. Oui, c'est exact. S'il vous plaît. Vous m'avez demandé de. De pas. Regarder toutes vos marchandises. Certaines sont d'ordre illégal. Je ne dirais pas forcément illégal, mais peut-être inhabituel. Enfin, on va dire ça, il va dire... comment dire, comment faire dire ça pour pas... Il sait que c'est dangereux, donc il faut qu'il formule bien. Allez, disons que ce que considère notre clan comme légal et ce que considère l'Empire est parfois... différent. Là, il se fout du monde. Ah bah pour le coup c'est vrai parce que chez les licornes vous avez quand même plus l'habitude d'avoir des objets qui sont considérés illégaux ailleurs. Illégaux ou non, c'est, moi je dirais pas ça, je dirais plus, enfin moi dans ma vision, c'est plus que c'est mal vu. Genre des fourchettes, des machins comme ça, enfin tu vois, des objets gaijin. Ouais, bah... la poudre gaijin, je suis désolé, ça fait pas partie des trucs autorisés. Bah... Certes. Voilà, remarque... C'est aussi... Lui, ce qu'il dit, c'est ça. C'est qu'il dit qu'il y a des trucs qui sont mal vus, et que donc, ça serait illégal chez certains clans, mais que chez les licornes, c'est toléré. Et vous avez donc demandé, Hideo Shisama, à un membre de la licorne, de ne pas chercher à savoir quels étaient ces objets par peur que d'autres clans ne les apprécient pas. Mais pourtant, Shinjo Asama fait partie du clan de la licorne, si c'est juste de le jouer. Certes, mais Shinjo Asama est un membre de la licorne émérite qui est très honorable et qui pourrait peut-être s'offusquer que les traditions dures de Rokugan ne soient pas respectées à la lettre. Messieurs, si vous êtes venus là pour m'accuser sans témoin et sans autres positions que... Témoin il y a, vu que Kodo a découvert la marchandise. J'ai du travail. Cela ne vous intéresse pas de savoir qui est responsable de cette action et qui, du coup, entache votre réputation d'honnête marchand? Je trouve cela bien suspect. Pour ma part, je suppose que ce sont les qui ont causé des problèmes. Ils ont peut-être été achetés ou une de faire cela et. Ils ont probablement gagné un certain profit à le faire. Dans tous les cas, ce n'est pas moi. Je peux me tenir responsable de leurs faits parce que ce ne sont pas mes hommes, c'est des gens qui travaillent pour moi.
Il y a surtout Shinjo et Bayushi, genre. Mais tranche ou pas, quoi. Enfin, tu, comment dire, il y a quand même une, il remet quand même pas mal en doute vos accusations dans le sens que les hommes qu'il avait envoyés étaient quand même des gars qu'il connaissait de longue date et que globalement il a pas l'air d'y croire vraiment follement en fait ce que vous dites. Il y a quand même un petit côté, ouais, vous dites ça, mais en fait c'est uniquement pour renégocier l'accord et que derrière. Ah non, mais je veux, mais pour lui, on pense que c'est nous qui machin. Après, on était cons parce que du coup, en fait, on s'est grillé. Bah oui, c'est chaud. En fait. J'ai pas compris pourquoi vous avez attaqué comme ça direct, mais j'ai suivi. Mais... Je sais pas, je. Ah, peut-être que la prochaine fois, on pourra vous concerter. C'est ça, la prochaine fois, on réfléchira. Chaque fois, on fait réfléchir pas. Fort bien. Donc du coup, vous sortez de la demeure ou pas? Une action définitive. J'attends l'avis des autres parce que bon, moi, j'ai aucun souci à passer à de patresse. Après, je veux dire, après, voilà, c'est qui c'est qui a raison. Et là, voilà, faut trancher, on va dire. Soit on considère qu'on n'a pas suffisamment de preuves. Et basta, soit on fait comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on considère qu'il en était responsable quoi qu'il arrive, et du coup il porte la faute. Mais voilà, c'est une question de point de vue. J'ai envie de le considérer comme ça, mais en fait je suis en train de réfléchir à la magistrature que j'essaie de mettre en place, et si c'est dommageable ou pas en fait. Ouais, parce que ça c'est une pensée très lyonne, hein, où les suivants obéissent à la hiérarchie. Bah, je dirais que c'est une hiérarchie normale, hein, mais... Oui, c'est une hiérarchie normale, non, mais je veux dire, mais... c'est très fort. Après, s'il y avait... Un seul, s'il y en avait un, peut-être deux qui contenaient de poudre Gaijin, ça m'embêterait moins en fait, son excuse. Mais tous, et qu'ils le sachent pas. Bah surtout qu'ils savaient qu'il allait mettre des objets, on va dire, un peu illicites. Ça, ils le savaient. C'est surtout ça qui est... Ouais, je trouve que ça fait trop en fait. Une personne influente, assez intelligente, quoi. Après, le coup des grues, c'est possible, mais du coup, ça veut dire qu'il accuse clairement le clan de la grue d'avoir cette attitude malhonnête. Ah, il a dit que ça pourrait être eux, hein. Il a pas dit que c'était eux. Hein. Ouais, bon, pourrait. Voilà. Bah, c'est les acteurs les plus proches du secteur, quoi, donc à part eux, il n'y avait pas vraiment... Enfin, il voit mal le phénix faire ça, quand même. C'est là, je suis d'accord que je serais assez surprise. C'est assez surpris de ça. C'est vous des concurrents qui pourraient vous nuire? Ah non. Le dernier croupi à seconde cité. Enfin si, je vois bien quelqu'un qui pourrait vouloir me nuire. Hein. Là, c'est ton honneur qui met en doute, Shinjo. Fait une promesse et qui le regrette peut-être. Je note le fait que votre défense, c'est que vous ne contrôlez pas ce que vos hommes font et que vous n'êtes pas capable de savoir ce qui se passe dans votre entreprise. Je vous remercie de votre réponse, Hideo Shisama. J'ai une autre enquête pour savoir exactement par où ce trafic passe. Je vous souhaite bonne chance dans vos investigations, Bayushi Takayoshi-sama. Oh, je ne doute pas le moindre... Je ne doute pas le moindre seconde que... Dans un souci d'honnêteté et d'honneur, vous apportiez toute votre aide afin que nous puissions laver votre nom de cette accusation. Bien sûr que vous aurez un regard nouveau sur les faits qui vous feront comprendre que... Je ne suis pas réputé pour ma vision partielle, j'ai plutôt tendance à vouloir voir tous les faits sous tous les angles. Mais sachez que je ne suis pas réputé non plus pour le fait de condamner les gens à vivre quand ils sont coupables. Ah, vous parlez peut-être de Sojime et de son clan, non? Bayushi, ça va. Oh putain, non mais ça sent bon, il cherche, il cherche. Hein. Ah, ça c'est trop dedans, là.
Et clairement, et si tu sais pas lui, il insiste pour dire ah tu m'as pas eu, tu m'as pas eu, bah du coup je te fais mal, tiens prends ça. Non mais clairement. Petite pute de merde. Souhaitez-vous dire que les voix de l'impératrice doivent être ignorées? Hideyoshi-sama? Bon, Fort bien. Sachez que avant que. Par contre, quand tu te dis aucunement, tu sens un peu une hésitation quand même. Tu sens que. Peut-être pas directement. Il va peut-être le formuler autrement. Il va peut-être le dire. Les voix de l'impératrice ne sont pas ignorées. Cependant, je pense qu'elle ignore tout des colonies et que cela provoque de graves soucis. Il va pas dire ignorer, il va dire qu'elle est trop éloignée des colonies. C'est un souci auquel tous les samouraïs des colonies sont invités à une résolution. Après tout, pas là uniquement que pour faire de l'argent. Hideyoshi-sama. Si, bah Yoshi Takayoshi-sama, c'est ma mission principale qui m'a été confiée par mon Debio. Et par cela, grâce à l'accord que j'ai conclu avec Shinjozia, je me suis des difficultés de la vie des colonies. Profiter donc de cette extraction. Hideyoshi-sama. Cela dit, les raisons ne sont peut-être pas typiques des coutumes Rokugani, mais ne sont pas exemptes des lois Rokugani. Ne l'oubliez pas, Hideyoshi-sama. Je souhaite une longue journée à compter tous vos cocos. Pendant le travail et d'assurer la protection des colonies. Et du coup, moi je me lève et je me casse. Les autres? Je suis Alors, Shinjo, il y a de fortes chances que tu me vois en train d'aiguiser tes escaliers et te demander de lui donner rendez-vous un soir. je m'incline vers lui en lui disant j'ai hâte que cette mauvaise histoire soit tranchée afin que je puisse vous reconnaître toute Après, la. défier en duel, hein, si tu veux. Le duel, ça peut éclaircir ça très vite, hein. Vous avez la possibilité de demander un duel au premier sang. Et s'il le perd, il faudra qu'il se fasse soit c'est beaucoup, soit vous aurez le droit de le tuer, quoi. Après, c'est toujours le même problème, les duels, c'est quand même la roulette russe, quoi. Bah oui. Ah, c'est ça qui est intéressant aussi, hein. C'est la voie des dés. Ouais. Ah, Je sais j'attendrai la pas, réponse de la Yoshi du c'est. coup. Ah, c'était à moi, moi hein, qui si. parlais pour le coup du. Duel. Pardon. En fait, Ok. Enfin, vous le défiez en duel ou pas, parce que lui, honnêtement, il a deux doigts de le faire, hein, parce que vous l'accusez ouvertement de choses. Voilà, il est pas. Il vous a reçu bien comme il faut, vous avez commencé comment dire, à l'insulter et tout. Oh, l'insulter, tu rigoles, j'étais amical. J'ai pas menacé. Non, mais bon, vous l'avez accusé quand même. Bah, c'est normal qu'on demande des comptes concernant de la marchandise illégale dans ces marchandises. Après, il peut comprendre qu'on soit en pétard. Si vous étiez vraiment en pétard, vous serez rentré, vous l'aurez tué, quoi. Vous Ouais, aurez mais lui moi, il demandé n'y a qui pas ça, de c'est souci, beaucoup, hein, je mais. veux bien qu'on tranche, les gars. Moi, j'ai aucun problème. Ouais, Parce c'est vrai, que, c'est pas honnêtement, si vous êtes sûr de votre coup, faites-le. Voilà. Et après, si on vient vous chercher des noix, vous direz, il avait qu'à pas trafiquer, et puis voilà. C'est quoi? Je vais demander un duel au premier sang sur est-ce qu'il est ou pas responsable du. En gros, tu vas l'accuser de pas tenir ses hommes. Ouais. J'ai pas les moyens de l'accuser d'avoir fait le trafic. Clairement. Ah, tu sais que tu peux faire un truc très fourbe là-dedans. C'est
Parce que selon la façon dont tu le rédiges le truc, c'est que si tu perds, ça veut dire qu'il tient ses hommes. S'il tient ses hommes, ça veut dire que c'est à cause de lui qu'il avait du pouvoir avec Gaijin. Et du coup, il est responsable. Ouais. Tout à fait. Après, c'est méchant, mais... Bon, mais aucun en bas. Bah, disons que... Je pense qu'il reconnaîtra, le truc bien tourné, tu vois. Lui aussi qui aime bien faire des contrats bien tournés. Oui, 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 oui. J'aime bien l'idée de... Parce que moi, quand je disais, j'avais pas pensé à la conclusion que du coup, s'il gagne, il tient ses hommes, et du coup, oui, il est coupable du trafic de ses hommes. Ouais, c'est bien pensé. J'avais pas pensé aussi loin, mais pour moi, c'était... Bah, voilà quoi. On fait ça ? Tu l'accuses officiellement de ça ? Bah, du coup, il va se trouver un champion. Bah, il va. Corne, d'assurer. Alors, tac. Premier sang. Son petit duel avec Otaku Kimli, hein? Putain, c'est la sensei. C'est une grosse bourrine. Bon, bah, c'est bon, on va donc pouvoir les condamner pour le trafic. De... C'est juste elle qui a gagné le tournoi la fois dernière. Bon, après, elle est pas si bonne que ça en yai, hein, mais bah, elle est pas mauvaise, hein, clairement, elle est pas mauvaise. Mais voilà, c'est pas non plus. Ah, il vaut mieux se la taper en yai qu'en ken, elle, hein. Clairement, hein. Ouh là là. Ah bon, à ce point. Ah oui. Bon, c'est grave. Après, c'est une brutasse en yai quand même, hein. Mais voilà. T'as combien en yai du dessous, toi? 3. Yai, j'ai 3. Ah. J'ai pas beaucoup de compétences au-dessus de 3, en fait. J'en ai une à 5. Je remonte mes compétences. Oui. Alors, bah du coup, on va le faire maintenant, hein, ça sera comme ça c'est fait. Ouais. Ok. On aura un petit peu de lancer de déo ce soir, quand même. Je vais t'afficher la page de Yai. Bien. Tu le sens en veine ou tu ne sens pas en veine? Bah en fait, dans les deux cas, je gagne. Alors, le truc, c'est que... Donc tu l'accuses de ne pas tenir ses hommes, ou d'avoir provoqué des problèmes à Kodo-Ichi-sama et d'avoir enfreint Oui, ce qui fait que si tu gagnes, il a pas tenu ses hommes, il a causé des problèmes, et donc tu peux lui reprocher ça. Et donc il doit des dommagements. Voilà. Et que si il tient ses hommes, et que donc il est directement responsable. C'est ça. Bah, je t'en prie, fais-moi ton jet de... Initiative d'abord. Ouais. Ça a pas beaucoup d'impact, hein. Ça a même aucun impact, mais bon, c'est traditionnel. On s'initiative d'abord. Voilà. Ensuite, non. Évaluation. Donc, évaluation. C'est observation. Attends, c'est où? Je vois pas. Et l'évaluation, c'est l'observation plus. C'est un jet de Yaijutsu, évaluation, intuition. Ouais. De toute façon, Yai, c'est simple. Hein. C'est Yai intuition, Yai vide, Yai réflexe. Donc tu te mets en centre, elle aussi. Vous regardez droit dans les yeux. Main sur le katana. On observe l'adversaire et on regarde son niveau. Non, t'as lancé 8 des 4. Excusez-moi, je sais pas pourquoi j'ai bugué sur les trucs. Ah, c'est moins pire. C'est pas beaucoup moins pire, mais c'est moins pire. Tu fais 39, ok. Alors, elle a combien du coup? Un point de vide? Non. Es-tu une compétence d'école chez toi? Ouais. Ah. Bon alors. Ah bah, du coup, oui. Elle t'a battu, ah, un petit peu. J'aurais préféré gagner, en fait, parce que du coup, on aurait pu obtenir réparation pour Shinjo au lieu d'avoir la mort de machin sur la conscience. Ah bah...
Donc 39, hein. Donc c'est donc là il y a le vide qui rentre en action, donc tu gagnes un G1 en bonus. Dépenser des points de vide, hein. Il gagne un G1, enfin 2 G1, 2 G2 presque, mais enfin elle. Elle, oui. C'est elle qui se bat, hein. Elle se bat pour lui, mais elle. Je vais dépenser un point de vide pour le tour suivant. Ok. Alors attends, je réfléchis. Donc tu gagnes un G1 pour le centre, hein. Et donc elle, elle gagne un G1 parce qu'elle a, elle a fait un bonus. Par acquis de conscience, tu as quand même droit à une info sur elle. Hein. Ouais, donc, elle a combien en vide ? 4. Là, je crame un point de vide pour le focus. Ouais, bah je t'en prie. 40, c'est pas exceptionnel. Pourquoi tu lances du G4 ? Avec le vide ? J'ai que 3 en vide. Oui, mais t'as centre, tu gagnes un G1 et tu dépenses un point de vide. Du coup, c'est 9G5, excusez-moi, faute de frappe. Ça change tout avec le point de vide. T'avais fait un G, ta plus mauvaise valeur c'était un 7 quand même, hein. C'est un gros G, mais. Bah ouais, mais il manque un D. Ou alors tu veux que je fasse un 1D, un G1. Non, vas-y, relance. Je veux faire plus quoi. Bah ça fait 5 points de plus, disons. Ouais, ça change. C'est sublime. J'ai fait un presque plus gros G. Ok. Bon, bah je crois que Hideyuki ça fait 2D où je fais plus de, enfin 2-10 d'affilée quoi. Ouais. L'année, quoi. Bon, là du coup elle fait 15 points de plus que toi, donc ça lui donne 2 augmentations gratuites pour te oui, bon, elle va pas elle va en prendre 3 pour te faire une entaille. Cette affilade, pour pas te blesser. L'honneur quand même. Combien ? Alors, mon ND, c'est bah du coup est-ce qu'on a une armure ou pas ? Oui. Du coup c'est 30. Donc 30, il faudrait qu'elle fasse 45 au toucher, mais elle en enlève 2, donc ça fait 35. Elle fasse 35 au toucher. Ça va aller. Je pense que la taille de base. Pas qu'elle touche. Ça va. 59, 61, 68. Boum, boum et boum. Ok. C'est un peu des jets de brutasse, un peu. Oui, bah en même temps, ouais. Elle a 4 en yaï, elle. En ken, elle a 6. Avec spé. Non, c'est une bourrine. Il faudrait vraiment que j'augmente mes carrières à 3. Enfin, mes compétences à 3, en fait. Grosse bourrine. Jujutsu, intimidation. Donc, bah du coup, elle gagne. Donc, elle te salue, elle se barre. Enfin, elle fait le truc. Je lui remercie pour le duel, tout ça, je salue. Voilà. Et donc, l'autre dit bah, vous voyez, le duel a tranché. En effet, le duel a tranché, vous êtes responsable de vos hommes. Et de tout ce qui trafique. Et alors, comment dire oui, non. Ah, t'as loupé de ma super phrase qui vient de lui faire apprendre découvrir l'étendue de ces emmerdes. Ah, vas-y, j'écoute. Il vient de dire, vous voyez, le duel a tranché. Et j'ai répondu, tout à fait, le duel a tranché. Vous êtes le responsable de tous vos hommes et de tout ce qui trafique. Joli. Faut que je vois ses compétences à lui, parce que je sais même pas s'il s'affiche le perso dans... J'ai pas l'info. Moi aussi, mais... Y'a pas sa fiche de perso. Dommage, quel niveau il donnait. Que va-t-il m'arriver, Bayushi Takayashi-sama ? T'es venu pour mener une enquête et visiblement décidé de me donner la réponse à cette enquête. Cela dit, ce duel indique bien que les Kami pensent que vous êtes responsable de chacune des actions de vos hommes, quels que soient les trafics illégaux qu'ils aient faits. Cela dit, je souhaiterais savoir exactement l'étendue des trafics qui sont faits. Vous êtes à l'heure actuelle assigné à résidence et je souhaite que vous me fassiez découvrir l'ensemble de votre commerce.
afin que nous puissions voir lesquels de vos hommes vous ont mis dans cette situation. Bien. Shitakayashi, ma situation n'a pas changé. Maintenant, dans l'obligation de me donner accès à tout ce qui est nécessaire pour alimenter mon enquête. Ah mais... je vous avais dit avant le duel... Repos. Non. Alors là, le joueur se rappelle pas ça. Ouais, mais, même... non, mais là, c'est différent, ça aussi. La différence, en tout cas pour moi, c'est qu'il est responsable de ses hommes, du coup, il est responsable de cet acte. Oui. Clairement, moi, du coup... Si tu me dis, je tranche. Hein. Clairement, il vient de reconnaître que oui, il est responsable, qu'il y avait de la poudre gadjin avec. C'est ça, hein, le fait qu'il soit responsable de ces hommes. Mais moi, ce que j'aurais tendance à dire et à croire, c'est que le duel a tranché qu'il est responsable de ces hommes et dans ta philosophie à Kodo, pourquoi tu le tranches pas? Ma question est plutôt dans ce sens-là. Hein, Oui, c'est ça, c'est exactement. Pourquoi tu le tranches pas? Que Bayushi veuille enquêter, je comprends. Que Shinjo ait pas envie de taper, je comprends, mais toi, à Kodo, je comprends pas. Ah mais non, mais moi j'ai envie de trancher, mais c'est juste par respect envers les deux autres que je le fais pas, c'est tout. C'est pour ça, je monte mon attitude insistante, du style, ok, je tape. C'est purement envers Shinjo, parce qu'on est chez elle, et envers Bayushi, qui sont mes amis, hein, parce que sinon, clairement, ce serait eux, ils seraient pas là. Je dis, bon, bah voilà, on a notre compte, on est réglé, maintenant on passe à la caisse, quoi. En ce cas, Shinjo, elle répondra Bayushi Takayushi-sama, je serai hébergé de un criminel qui défie les lois de notre impératrice sommetaire. Sable, veuillez ce qu'il faut. Je me tourne vers Bayushi, avec mon regard de chien battu. Donc voilà, donc mon regard en disant, en gros, moi je le considère coupable de. D'avoir voulu me foutre de la merde, du coup, et il a pas de solution, hein, il a... Oui. Donc du coup, clairement, moi, si je le laisse en vie, c'est juste pour toi. Clairement, parce que là, moi, j'ai la main sur le katana, donc vas-y, dis-moi une phrase qui me dit, ok. Ne vous inquiétez pas, ce qui doit être fait sera fait, c'est juste que je souhaite pour l'instant simplifier l'enquête en ayant accès à... aux documents ainsi que aux informations. Bien, idée, attends, hop, comment il s'appelle déjà? Idée Ushi. Idée Ushi. Pour ma part, du coup, étant donné que vous êtes responsable de vos hommes, vous êtes responsable de cet acte contre moi. Si Bayushi ne vous protégeait pas, ça ferait longtemps que mon sabre aurait tranché cette histoire. Vous ne devez votre survie qu'aux bonnes grâces de Bayushi en ce qui me concerne. Ce qu'il me dira sur vous, je me considérerai comme, on va dire, soit satisfait, soit non satisfait, du coup je viendrai le trancher. Il a dit que ce qui est la condamnation nécessaire, enfin Bayushi a dit que la condamnation viendrait et qu'il est, pour l'instant il a gardé juste en vie pour l'enquête. Je sais, mais après si tu le condamnes, si tu me dis c'est bon, je vais laisser partir, tu peux aller le buter, c'est autre chose que du coup je l'ai fait exécuter en public, c'est plus ça. Quoi, t'aimes pas mes exécutions publiques? Ah non, c'est pas ça, c'est juste par rapport à Kodo. Et donc, si je... Alors, résumons. Donc, Shinjo, toi, t'as proposé de l'héberger le temps qu'on finisse l'enquête, c'est ça? Non, j'ai dit que moi, s'il y a un criminel, je veux pas avoir un criminel sommetaire, en fait, quoi. Du coup, elle veut le chasser. Enfin, ou va dire faire la sentence, et puis c'est tout, quoi. Moi, je veux le trancher. Bah, elle a dit qu'elle voulait le trancher, ce que elle a dit à demi-mot, mais c'est ce qu'elle est en train de dire, Shinjo, hein. Ouais, Shinjo, elle est en train de dire, vas-y, Akodo, tranche. De toute façon, ça n'empêchera pas de poursuivre l'enquête après, quoi. C'est juste que, voilà, en fait, par égard envers Bayushi... La personne qui est en charge de tout, qui est apportée... Ouais, il faut voir aussi le côté inverse. C'est que tant qu'il a envie, il va pouvoir passer des messages pour faire disparaître les... Eh ben non, parce que justement, je compte sur mes deux lieutenants préférés, qui sont tous les deux des samouraïs émérites et compétents. Justement, pour empêcher ça, on tranche. Garder le contrôle du monsieur pendant que moi, je vais détruire son réseau.
Non mais Bayushi, il a des serviteurs et tout ça quoi, je veux dire. Bayushi pense aussi que t'as d'autres choses à foutre aussi hein. On t'a donné d'autres missions que qu'enquêter sur lui hein. C'est pas faux. Okay. N'oublie pas ça hein. T'as peut-être d'autres choses à faire de tes journées hein. Ouais, je vais juste demander un entretien pour qu'il me briefe sur tous les entrepôts qui sont sur le chemin, tous les entrepôts par lesquels ces hommes ont dû passer, et le nom de tous ceux qui étaient liés à ce commerce. Ah, et les entrepôts illégaux aussi. Oui, tous les entrepôts. Ah bah, il te donne tous les trucs, hein. De toute façon, c'est simple, hein. Il y a ces boutiques, ces entrepôts fort à la fin du voyage, ici, et puis c'est tout, hein. Enfin, il a d'autres trucs ailleurs, mais il a des entrepôts dans quelques villes grues, au sud des colonies et quelques villes mantes, et puis voilà, mais... Et du coup, une fois qu'on a fait ça, il est condamné à mort, quoi. Fin de l'histoire. Et du coup... Alors, comment tu fais ? Genre, est-ce que c'est genre je l'exécute tout seul, ou est-ce que tu fais un truc officiel comme quoi la magistrature d'Ivoire l'exécute ? C'est plus qui le tue officiellement. Je préfère l'exécuter en tant que la magistrate. Enfin, suite okay. au duel, il a été confirmé que donc il est responsable des trafics à propos desquels on est venu lui parler. Et à ce titre, il est donc jugé. Il est donc condamné à mort pour trafic de poudre Genshin. Ok, donc tu le butes. Et donc on le bute. La seule question, c'est est-ce qu'on le tranche ou est-ce qu'on le pend? Et je sais pas du coup le... Tu peux l'autoriser à se faire seppuku si tu veux. Moi ça me dérange pas qu'il se fasse seppuku ou qu'il soit pendu ou qu'il soit... Est-ce que ça dérange chez Josiah qu'il ait droit au seppuku? Non, pas du tout. Bon, du coup je l'autorise à faire seppuku. Très bien. Parce qu'il a été relativement réglo dans sa façon de mourir. se condamner lui-même à mort. Non, si je te demandais ça, Bayushi, c'était parce que si c'est moi qui le tranchais comme ça, du coup, je vais m'expliquer envers son daimyo. Enfin, ouais, tu vois, non, mais c'est aussi pour ça que je voulais l'exécution publique. Hein. C'est comme ça, c'est... Voilà, c'est, mais... Pour reprendre le truc en l'anglais, c'est auto-explicatif, quoi. Ok, non, voilà, c'était... Du coup, moi, je suis satisfait, mais en même temps, voilà, c'est pas moi qui l'ai tranché. Puis à lui-même. Ok, très bien. Bah, vous faites une cérémonie de seppuku donc au village de Shinjo. Tout à fait. Ce qui permet à Shinjo d'être un peu plus connu et apprécié du clan de la licorne. Par contre, on se met sur le champ où il y a les Yoriki aussi en dessous. Ouais. Non, mais pour les âmes et tout, c'est bien qu'ils soient rapprochés, c'est plus pratique. Bah oui, c'est sûr. Mais les Yoriki, ils ont pas été brûlés? Mais alors, ça veut pas dire que leurs âmes ne sont pas dans le coin en train de traîner. Du coup, vous faites la cérémonie, là, je vais vous faire le GD, vous butez très bien. Il vous dira jusqu'à la fin hein, que vous faites une grosse erreur. Et que son âme viendra vous tarauder l'esprit encore toute votre vie. Je pense à tous les grues que j'ai dû massacrer dans mon truc. Je pense que là, je vais en avoir une charrette. Hein. Moi, je lui explique qu'il a souhaité être tenu responsable et qu'il est donc... Arrête de discuter, Bayushi, tu te fais avoir après. Mais non, mais... Tranche Non, mais c'est bon, c'est fait, il a tranché, poum, il est mort. Voilà, il a pris la décision. L'idée Uchisama n'est plus. Vous ramassez son wakizashi, il faudra le remettre à la famille. Otaku Kimi a pas trop très bien compris la situation là, mais pour le coup. Parce qu'elle a gagné le duel et le mec est mort quand même. les rouages de la poétique judiciaire. Alors, du coup, on va arrêter là pour ce soir. Juste, je vais vous donner des XP. Combien d'XP pour avoir le rang 5 ? 10. 10, bah, vous avez 10 points d'XP. Du coup, c'est 16 hein, pour passer un rang à 4. Oui. Alors, c'est ça, 10. 16. Attends, réputation du coup, ouais, c'est ça. Je suis à 229 plus les 3 de bonus. Ah non, ils sont comptés dedans. Oh non, il me manque encore des points. Parce que c'est combien? 225 ou 230 pour passer en 225. 225. Ah, 225, alors c'est bon. Pile poil. D'accord. Du coup, j'ai pas suivi. C'est combien du coup? 10 points d'XP. Avec 10 points d'XP, tu peux passer 3 compétences à 3, hein, Bayushi, si elles sont à 2. Ou 3 compétences à 4. Parce que j'en ai 17 en tout.
Ah oui, effectivement. Cas-là, oui. Mais je voulais augmenter mon intelligence pour monter mon en feu. Enfin, je voulais augmenter mon intelligence tout court parce que c'est utile. Aïe, tu fais ce que tu veux. Tes perceptions à 5, ça serait drôle aussi. Oui. Mais j'ai pas assez de points d'XP. Je pourrais monter des trucs utiles aussi. Comme, du coup, j'apprendrai pour passer mon rang 5. Pardon ? Du coup, quand je reviendrai à Seconde Cité, j'irai voir Tsudoken, à ouais. Code de Tsudoken pour passer mon rang 5. Enfin. Ok, du coup, ouais, je pense que je vais passer Intimidation à 4. Ouais. Bah, en gros, moi ce que je peux faire, c'est qu'on commence la semaine prochaine et vous êtes tous 35. On dit qu'il s'est passé un mois et puis vous êtes entraînés, vous avez pu faire vos différents parcours, etc. Ouais. Quand j'étais dans le village de Shinjo, moi par contre, j'ai discuté avec les blessés au niveau des Imindi. Genre attaque surprise, comment ils sont pris, enfin tu vois, les petites choses comme ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. Ainsi que les hommes de Shinjo qui ont battu contre eux. Enfin, tout ce qui était en rapport avec les Imindi. Ça marche. Et aussi était lucratif. Du coup, après l'ambassadeur, en fait, ils nous ont vus après ou pas? Du coup, on demandait ce qu'on voulait avec. On fera ça plus tard. Quel ambassadeur? Pas les ambassadeurs, mais tu sais, le fait qu'on ait choisi la grue. Ah! Bah, non, j'aurais tendance à dire que okay. Quand vous aurez besoin d'eux, allez les voir. Quoi. Puis, vous leur dites que... Bah, rappelez-vous... C'est bon. En gros, l'approche subtile, c'est du genre ah, quelle belle cérémonie que vous aviez donnée la dernière fois, machin, ou votre ambassadeur ou telle personne a été choisie pour être l'ambassadeur d'Oji, machin truc. J'espère qu'elle va bien. Voilà, vous insistez un peu deux trois fois, et puis ils comprennent qu'ils se rappellent que vous avez aidé, et puis après ils vont dire ok, qu'est-ce que vous voulez. Mais je vais arrêter les enregistrements. Au revoir les gens. Au revoir les gens.